Bonsoir, on est le bonsoir lundi, j'espère que vous êtes déjà tous là ce soir. Je vois déjà que dans le chat ça commence à dire bonjour. On est le vendredi 15 octobre et pour vous ce soir j'ai deux bonnes surprises. Déjà première surprise, on a une équipe en régie qui est on fire, donc ça va vous donner des belles images, des belles caméras et une chouki on fire dans le chat. Et de deux, on a un très bon groupe ce soir, ce qui va vous donner du gros son. Voilà, j'espère que tout ira bien. Est-ce que la régie va bien ? Chouki, Clément, ça va être le temps de parler dans le micro. Ça va bien, je vais faire 2-3 réglages vidéo pendant l'émission. On a traîné un petit peu, on a parlé, on a ressorti des souvenirs un peu sombres avant de venir. Des souvenirs de festival un du peu sombres. Du coup, ouais, mais ça va bien, ça va bien. Je vais essayer de mettre ma webcam aussi ce soir, ce qu'on me l'a demandé la semaine dernière. Ouais, bah oui, il faut coup, profiter. Voilà. Et je passe le micro à Chouki, puisqu'on a un micro pour deux, il va falloir qu'on règle ça parce que c'est relou. Normalement, en plus, je crois qu'on a encore la place hein, sur la tablette pour un micro de plus. Donc tout va bien. Moi ça va bien et je dis bonjour aux gens qui sont déjà là dans le chat. Shan, Charlotte. On a Freya Band aussi. Ouais, d'ailleurs, petit merci, si je peux, petit merci à Freya. Freya Band qui est un groupe en Italie qui a leurs potes qui font plusieurs playlists. Ils ont une playlist avec les talents français et ils ont invité Comic Wolf dans leur playlist. En nous taguant, en disant merci, grâce à vous, on vous les a découverts. Je trouve ça super cool déjà de faire une playlist de groupe français, de les avoir mis dedans et en plus nous taguer. Franchement, merci les copains, c'était adorable de votre part, tout simplement. Et du coup, pour m'accompagner ce soir, j'ai le groupe Midnight Drift of Rage. Vous allez vous présenter chacun votre tour. Ah, si vous êtes que deux, les gars, va falloir faire. Il va falloir qu'on se réveille, hein, je suis désolé. Salut Max, Midnight Drift of Rage. Donc, je suis guitariste d'un ce groupe de synthwave metal. Et moi, c'est François, Minestrit, évidemment. Et je m'occupe. Je ne connais pas ce groupe. Je ne sais pas qui est cette personne en face de moi. moi, je m'occupe de la MAO. Qui est ? Parce que la MAO, personne ne connaît pas. Tu me dis comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est le petit livre rouge, tu vois. C'est... Oui, mais c'est tout non. À fait ça. C'est musique assistée par ordinateur. C'est. Comment dire ? Je vais gérer un peu toutes les tracks qui peuvent accompagner. La guitare, que ce soit les synthés, les batteries, ce genre de choses. Et alors, du coup, alors, je vais retirer mes lunettes parce que j'arrive pas à lire avec la tablette. Je suis désolé pour le pansement. Hein. Je vais encore l'avoir quelques semaines, il semblerait, ça ne cicatrise pas. Petit truc cool, vous êtes le premier groupe de Synthwave qu'on invite. Sérieux ? Déjà. Ouais, vraiment. Tu sais qu'en plus, il y a plein de métalleux pour le coup dans la Synthwave. Mais genre, c'est de l'électro déguisé en fait. Quand tu vois une fosse de Carpenter Brut, il n'y a que des métalleux quoi. c'est ouais, clairement. Pour avoir fait une fosse de Carpenter Brut, ouais, ça pogotait violent pour l'électro. Ouais, c'est clair. Effectivement. Mais vous êtes un des premiers qu'on invite et vous êtes le premier groupe qu'on invite où il n'y a pas de chant. Ouais. Ce qui peut être réfractaire pour beaucoup, mais moi, ça fait 3 ans maintenant que je vous suis. Parce que je crois qu'on s'est rencontrés il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans. Un truc dans le genre, ouais. C'était avec les copains de Pharo ouais, ou Synapse, hein, donc ça remonte. J'étais jeune et je mettais des robes à l'époque. mais du coup, ça fait plaisir de dire qu'au bout de 3 ans, on arrive enfin à se rencontrer, on arrive enfin à vous avoir. Du coup, je ne suis pas mécontent parce que là où on vous aurait invité avant, dans une MJC où il manquait un peu de connexion, ou dans mon salon, finalement, la première émission que vous faites avec nous, c'est sur le plateau télé. On est vachement bien là. Ça va. On est vachement bien, super cool. Super. Accueil génial. Et je me rends compte qu'on n'a pas mis les bonnettes, Clément. Donc, et que tu viens de débrancher la caméra qui filmait. Oui,
le réglage vidéo en direct. Oui, du coup, vous avez vu, la table est un peu restreinte. Donc forcément, on est en train de bidouiller d'autres angles de caméra, tout simplement, pour vous faire profiter à fond. Alors, la première, on a une petite tradition, c'est qu'avant de commencer à la dure, on a une petite actu, et d'habitude, c'est plus la grosse actu que je donne, et j'essaie de sortir un débat. Mais là, on va parler d'une actu d'un copain, Clément. Et je pense que tu vas être content. Il y a quelqu'un par ici, un YouTuber qu'on aime beaucoup, mais on ne vous le présente plus. Vous le connaissez certainement dans le chat, il s'appelle Projotirock. C'est un homme qui tient, donc, comme je l'ai dit, une chaîne YouTube qui présente plusieurs groupes émergents chaque semaine, et vous en avez fait partie. Ouais, carrément. Ouais. Merci à lui d'ailleurs. Ouais. Adorable. Ça fait deux ans, ouais, un peu plus de deux ans que maintenant on s'échange des groupes, parce que de toute manière, plus vous passez dans des radios, plus vous passez dans des chaînes YouTube, plus vous passez sur Twitch et plus nous, on est content parce que c'est bénéfique pour vous. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ce mec-là, on l'adore. Mais il n'y a pas longtemps, il a eu une idée folle, c'était un projet complètement dingue. C'était d'ouvrir un Tipeee pour créer une cagnotte pour graver des CD avec plein de groupes émergents dedans. Et en fait, il va distribuer ses CD, cette compilation, au groupe pour qu'il puisse les distribuer ensuite pendant les concerts pour faire connaître un peu la chaîne et tout le monde. Et j'aurais bien voulu t'aider, mon projo, mais t'as monté ça en plein même temps que nous, on budgétait ce plateau télé. Donc, c'est un peu bloqué pour nous, je suis désolé. La prochaine fois, on essaiera de te filer un coup de main, ce serait avec plaisir. La grosse nouvelle, c'est que ce Tipeee a réussi. Et voilà, là, je vous montre la compile. C'est une jolie compile, comme ça, toute rouge. Je vais voir si la bonne caméra me vise, Clément. Normalement, oui. Il n'y a pas le focus, faut que tu me mettes sur ton visage. Ah, d'accord, vas-y. Oh, colle-moi Projo à la gueule, vas-y, c'est parti. Ça te va comme ça? De toute façon, ce sera toujours plus avantageux que ma gueule, hein, tout va bien. Voilà, du coup, ça compile est sorti. Il y a quand même 16 titres dedans, donc c'est pas de la petite compile. On est sur de la grosse compile. Si jamais vous le croisez à un de ces concerts, bah, vous pourrez l'avoir gratuitement. Pour vous faire plaisir, il y a quand même des bons gros groupes dedans, parce qu'on a du Dark Revenge, qu'on en parle depuis 2 ans de ce groupe, et on les a toujours pas invités, il faudrait peut-être le faire un jour. On a Pathfinder, qu'on avait reçu ici, on a du Orchis, qu'on a reçu il y a pas longtemps, et on a même du Protogonos, qu'on a reçu et qu'on a croisé plusieurs fois en concert, donc c'est une bonne compile pour l'avoir écouté. Si jamais vous ne croisez pas cette compile en concert, et bah vous avez le moyen là aussi de la télécharger sur Bandcamp à prix libre. C'est-à-dire que vous donnez le prix que vous voulez. C'est un peu comme les concerts prix libre. Et ça permettra tout simplement lui, à sa chaîne, de grandir et de faire d'autres compiles ou de regraver ça si les groupes en ont besoin. Donc voilà, juste, Projo, bravo. Ce projet était fou, mais tu l'as mené jusqu'au bout. Et grosse félicitations. Et du coup, moi, j'avais une petite question que je vais poser à chacun d'entre vous. C'est, d'après vous, il manque encore quoi pour aider la scène émergente d'aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses, j'en suis sûr. Ça, c'est une énorme question, ça. Ça, c'est une énorme question. Et très honnêtement, la réponse, à mon avis, elle ne se donne pas aussi facilement que ça. Mais en fait, ce que je dirais comme ça, ce qui manquerait pour faire vraiment faire péter la scène émergente, c'est des festoches, en fait. Et des festoches de scène émergente. Spécialisé scène émergente. Exactement, ouais, parce que tu te rends compte au final que si tu essayes de faire des festoches quand tu es un petit groupe et tout, tu es tout seul à te budgéter en fait, à te marketer et tout. Et donc, du coup, derrière, en fait, les mecs te disent mais on te connaît pas. Et ouais, normal, scène émergente, les gars. Donc, personne nous connaît, c'est un peu le but, quoi. Et donc, ils veulent pas prendre de risques et on les comprend en fait, les gars, parce que c'est à un moment donné, c'est du fric et tout, quoi. Mais c'est vrai que si tu avais des festoches qui étaient vraiment spécialisées là-dedans et qui te disaient, tiens, toutes les scènes émergentes, alors je ne sais pas sur quelles conditions, quels critères, tu vois, mais venez jouer, c'est parti. Et puis, pourquoi pas une ou deux têtes d'affiche vraiment de mecs genre qui tiennent la baraque, justement, pour justifier un petit peu. Ouais, scène émergente, mais un peu plus velue. Exactement, ouais, voilà, genre des types qui ont de la bouteille, quoi. Et je ne sais pas, un système de parrainage, une bêtise de genre, tu vois, à mon avis, ça serait pas mal. Je pense que c'est ça, ça nous aiderait. En plus, je pense que si tu tapes un festival, je ne sais pas, même pas, d'une journée, qui accueillerait, je sais pas, 1000 personnes, déjà rien que ça, ça ferait plaisir au groupe, quoi. Ah, carrément. Et à mon avis, t'aurais une liste d'attente de groupes à plus savoir quoi en faire, tu pourrais montrer 2-3 festivals dans l'année tranquillement, quoi. Sans problème. Surtout que tu le vois, enfin, je sais pas, tu prends par exemple un Hellfest, c'est hyper sympa de découvrir genre les groupes, genre à 10h du mat, tu vois des mecs genre qui veulent absolument tout donner, ils balancent tout en une demi-heure, genre c'est la claque. Et derrière, tu vas arriver petit à petit vers des 18h, 19h. Tu vas avoir des groupes que tu connais un peu plus. Les mecs sont un peu plus pépères, machin, chose et tout. Pour moi, les parties vraiment les plus intéressantes, c'est au début, en fait. Ouais. Et t'imagines ce même genre de festoche, genre une demi-heure par groupe. Les mecs doivent envoyer un pâté monstrueux
dès le début. Putain, t'as un festoche genre d'une heure, mais d'une journée, pardon, mais incroyable quoi. Ah, pense. Mais 10h midi, ouais, pour moi, 10h midi, c'est le mieux. Déjà, t'as un peu moins de monde. Ouais. Et 10h midi, enfin, tous les groupes se donnent à fond. Moi, je me souviens d'un Fever 333 ah ouais. à midi. Incroyable. Mais une claque, mais monumentale. Enfin, ils étaient vraiment là pour dire on existe. Ils ont tout donné, même un peu trop cette année-là, ouais. parce qu'il a fini avec la caisse sur la tronche et tout. Enfin, il avait explosé sa batterie sur sa tronche. T'es là, maintenant, on s'est quitté, c'est bon, te fais pas mal non plus, ça vaut pas le coup. Tu veux bien parler du mec qui fait un énorme slide sur ses genoux, tu te dis comment il a encore de la peau sur les genoux. C'est ça, impressionnant, tout à quoi. Fait ça, ouais. Clément, t'avais quelque chose à me dire ou c'était un signe comme ça? D'accord, tout va bien. Et très bonne idée. Je plus sois, si un jour on peut, j'aimerais bien l'organiser ce festival. Bah c'est pas mal risqué quand même, parce que c'est pas forcément des festivals qui se vendent facilement. Donc je comprends que ça n'existe pas encore et que ce soit pas. Je suis d'accord que ce serait génial comme projet. Sauf si tu as déjà une radio spécialisée émergente qui peut essayer de le vendre. Quoi. Par exemple, Wink Wink. Ouais, je sais pas, juste comme ça. Peut-être une idée à monter. Faut avoir des couilles pour porter ça. T'as vu là où t'es ? Oui. Dans le genre cinglé, on s'impose. Que... Mais après, oui, la clé pour sortir de la scène émergente, c'est si on les connaissait, on ne serait plus... Ah, je ne demande pas les clés, je demande des idées. C'est différent. Oui. Bah, tout ce qui... c'est large, hein, mais c'est partout où tu peux te faire connaître. Alors, c'est sûr que sur la scène métal, pour moi, c'est plutôt des scènes où tu gagnes à te faire voir plus et entendre, évidemment. Mais tu l'apprécies, c'est en live. Que tu vois les mecs se défoncer, c'est absolument génial. Donc, évidemment, le festival, c'est une bonne idée. Après, est-ce qu'il y a d'autres canaux cette idée de compile, c'est super cool. Franchement, l'idée est top, ouais. Je suis assez jaloux. J'aurais dû l'avoir avant. Mais je lui ai déjà dit à Projo, quand il l'a monté, je lui ai dit, ah putain, je suis jaloux, j'aurais dû l'avoir avant. Mais en plus, c'est un truc qu'on nous a proposé récemment, d'ailleurs, de participer à ça, à rejoindre un petit collectif pour qu'on sorte une compile d'une sélection des morceaux de ce petit collectif. Et que ce CD soit distribué gratuitement sur les concerts de chacun des groupes. Ah, mais c'est simple, mais efficace en vrai. C'est ça. C'est on te fait un CD, coucou, on existe. Et puis on te présente les copains qui sont à côté. C'est ça. Et ouais. Ça fait un peu penser à ce que faisait la Team Nowhere à l'époque, les Playmo et Lancer, en fait. Ouais. Quand ils se sont dit, bon, ben les gars, on est quatre, t'auras tout le monde pour un seul cachet. Mais par contre, t'as ta scène qui est bookée et ça va défoncer pendant toute une soirée, en fait. Tu te dis, ouais, l'idée est très cool. Après, c'est un sacré investissement, hein. faut pas se leurrer. Hein. C'est vraiment le coup du « on est couillus, on y va ». Et moi, je me souviens de ça parce que j'étais plus jeune à l'époque, mais vraiment avant les robes. Enhancer, j'ai fait les premiers concerts d'Enhancer. Ouais. On a dû se croiser à mon avis. Ouais, bah ouais. Possible. Parce que même au tout début, Playmo et Enhancer, tu pouvais les voir dans des petits patelins. Ouais. Et déjà à l'époque, ils avaient dans l'idée de partir à 4 et de retourner les concerts. Et c'était assez dingue, c'était assez fou. Et quand je vois après, quand ça a grandi, j'étais en mode putain, ils ont trouvé le truc quoi. C'est vraiment, ils se sont trouvés à 4 et puis après, ils ont juste tout éclaté. Personne, j'ai plein de potes à l'époque qui me disaient, ah, ça prendra jamais. Et t'es là en mode, ouais, non, t'inquiète. Ça va passer, vu l'énergie, comment ils ont envie d'éclater du bousin. Tout ça va se faire. Et ça s'est très bien fait. Donc, une compile, un festival, autopromo, mais une radio spécialisée dans ça, c'est pareil, hein, à la base. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, et aujourd'hui, on est là. Je veux dire, tous les gestes sont bons pour aider la scène émergente, mais en tout cas, je suis très, très content pour Projo T-Rock, pour celui-là. Et je pense que je vais voir avec l'équipe. Donc là, je fais un wink wink avec mon œil malade à la régie. Mais j'aimerais bien faire gagner ces deux CD avec un petit concours. Ah, j'ai un point levé derrière. Donc le communiste Clément est d'accord avec moi. on va essayer de vous faire gagner ces deux albums. On va voir. On a deux concours à lancer. Déjà, on a le premier Dildouille à faire voter. Et je pense qu'on en profitera de l'expérience du premier pour faire gagner ces deux albums. Et en plus, je vous jure, je l'ai écouté. C'est du bon de A à Z. Il n'y a vraiment que des très bons groupes. Donc voilà. Je salue la performance, monsieur Projo T-Rock. Bravo. Est-ce que la régie est prête ? Est-ce que je vous vois bidouiller des trucs au loin ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il se passe.
C'est le chaos. Je profite qu'il n'y ait que deux personnes pour tester des nouveaux trucs et tout. Je m'amuse un peu. On peut bouger autour de la table pour une fois. Il y a juste des frottages d'interface entre Chouki et moi parce qu'on est un peu serré à la régie. Mais autrement, ça passe. Du coup, je bidouille un peu. Prochaine baraque, je vous fais une cave de 70 mètres carrés. Mec, on est bien. T'imagines par rapport à avant ce que c'était. Enfin, c'est le feu, quoi. Oui, bah, c'est sûr. On a multiplié le nombre de caméras par 5 et on a une pièce dédiée à ça. La place par 5, c'est bien. Non, je crois qu'on est à quoi 10 mètres carrés de la taille de mon salon, donc on n'a pas perdu tant que ça en fait. Je laisse le micro à Chouki, on va faire un petit tour dans le chat. Ouais, un petit tour dans le chat, voilà. Justement, dis-moi. Juste pour les bonjours, quoi. Mais il n'y a rien du tout dans le chat en fait. Ah, si on... Ils ne sont pas encore prêts à poser leurs petites questions. Mais non, mais pas les questions. Mais par contre. Bah oui, mais bon, on a déjà dit bonjour aux gens. Y a est-ce que je peux en passer deux du coup personne. Parce que je viens d'en voir deux. On a Alan. Qui est du groupe Coming Wolf, donc salut les copains. Vous avez dans le chat, je l'ai chopé au début, j'ai loupé le pseudo de Freya Band. Allez les remercier, c'est eux qui vous ont mis dans leur playlist. Donc voilà, coucou Alan. On a Uxcro qui est un groupe qui nous suit depuis très 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 longtemps, donc gros bisous. On a Charlotte Osris qui est là, donc tout va bien, elle va pouvoir tenir le chat avec nous. Et on a Lacris qu'on a rencontré, Clément, Lacris. Et qui s'est donné une petite mission maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il voit un de nos lives en rediff, il nous fait un petit état des lieux en disant bah tiens j'ai bien aimé ça. Là j'ai remarqué qu'il y avait votre caméra qui a lâché, ce genre de petits détails qu'on n'a pas chopé forcément pendant le live. Donc je te remercie beaucoup, la Chris, c'est un plaisir. Et ce soir il m'a dit je vais essayer de me débrouiller pour être là en live et tu es là, tu as tenu parole. Donc voilà, un big up à toi, ça fait plaisir. Ah, normalement, on devrait attaquer par le clip de la semaine. Ah, je suis pas prêt. Alors, t'es pas prêt. Est-ce que je peux le présenter du coup ? Ouais, vas-y. Alors, le clip de la semaine, c'est un trio crossover metal, Melodeath et trash français. Déjà, Melodeath et trash, c'est pas rare, mais ça court pas les rues non plus. Mais ça, c'est cool. Ils sont lyonnais. Ça s'appelle Undead. Ils viennent de dévoiler le nouveau clip officiel qui s'appelle Ignorance is a Weapon, donc l'ignorance est une arme, ça c'est un vrai conseil. Quand quelqu'un vous emmerde, ignorez le lieu, ça va encore plus lui casser les couilles que si vous lui répondiez. C'est parfait. Le nouvel album s'appelle, ce clip vient présenter un nouvel album qui se présente sous le nom de Freedom Won't Save Our Souls. Je suis très nul en anglais, mais la liberté ne sauvera pas vos âmes. L'album est prévu en automne sur un CD et numérique. Via Domino Media Group, qui est une entreprise qui nous suit, je crois, depuis 3 ans maintenant. C'est les toutes premières entreprises qui nous ont suivis, qui nous ont filé un coup de main aussi. Donc, big up à Domino. Et l'avantage, c'est que là, album est en dématérialisé, tout le monde peut le prendre. Donc, l'album, il est prévu pour automne 2021. Donc, c'est très bientôt. Et si Clément est prêt, on va pouvoir vous balancer ce clip que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est rythmé as fuck. Il est lourd. Vraiment, c'est vraiment lourd comme un bon gros trash des familles. Ça, c'est le truc où tu vas secouer ta tête en rythme, mais le rythme, de toute façon, tu n'as pas besoin de le chercher, il vient te taper derrière le crâne naturellement, toutes les secondes, propre à coup de batte de baseball. Donc ça devrait être du très très lourd et j'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu es prêt, mon Clément ? Non. Non, tu n'es pas prêt. Tu en es où, mon Clément ? De quoi ? D'accord, donc on a un petit pépin technique. Est-ce que l'un d'entre vous connaissiez ce groupe ? De nom, ouais. Oui. De nom, carrément. C'est vrai ? Undead, ouais. Excuse-moi, t'es dans mon angle mort, ça me fait peur. Oui, j'avoue que tu me portes. Je suis pas non, bordel, il y a encore quelqu'un. Je suis désolé. Vous les connaissez depuis combien de temps ? Alors, je peux pas te dire parce qu'en fait, le nom résonne, mais de là à dire qu'on les a jamais croisés, ça c'est clair et net. Mais tu sais, à mon avis, c'est du hasard de réseau social, quoi. Genre un groupe de machin qui a posté, genre tac, et je me dis, ah ouais, putain, ça me dit quelque ça, chose. Ça, ou une playlist, ou enfin, tu vois. C'est ce qui m'arrive en ce moment, en mode, tu regardes une playlist, t'écoutes, puis tu fais, mais attends, je connais ce titre. C'est ça, ouais. Oui. Ah, mais attends, il y a la boîte de prod, tu me l'as présenté la semaine dernière. Ah ouais, d'accord, ça existe. Bah, ça, surtout quand t'as des playlists de 250 titres, à un moment donné, t'as un peu de mal à faire le tri, ou tu l'as peut-être vu, mais ça, c'est clair et net qu'on a déjà vu ce nom. Mais attends, c'est des potes qui jouent là. C'est vraiment ça. Je connais lui. Bah, du coup, moi, ça m'a fait rire parce que le groupe, je le connaissais, je l'avais découvert il y a 6 mois,
mais via une boîte de promo qui était autre que Domino. Mm-hmm. Genre les mecs étaient tombés là-dessus, m'avaient dit « Oh, faut que t'écoutes, c'est trop bien, découverte de malade et tout, je fais « Ok ». Et il y a deux semaines, je reçois un mail de Domino. Au fait, tu connais tel groupe, voilà, et on va les aider à sortir leur album. C'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais là, bon, ils sont cool, ils sont sympas, on le fait avec eux, quoi. Et là, tu fais, j'ai déjà entendu ces zics, j'ai déjà vu ces mecs. Et là, tu vois l'album, machin, tout, tu fais, ah ouais, non, là, cette fois-ci, c'est pas juste un clip, c'est un clip qui annonce un album. Je suis d'accord. Donc là, ils viennent les mains chargées, plein de cadeaux, et ça va le faire pour Stoughton. Donc, ouais, je suis assez content. Pour eux, parce que c'est un bon groupe. Et je suis aussi content pour Domino. Et c'est pas souvent que je fais des félicitations à une entreprise du métier de la musique, parce qu'ils ont l'air de faire... Enfin, c'est une entreprise qu'on a croisée plusieurs fois. Pas en vrai encore. J'aimerais beaucoup les rencontrer en vrai. Mais chaque maintenant, c'est carrément le directeur là-bas qui répond à nos mails. Donc, c'est un peu comme la famille, tu vois. C'est, ouais, vraiment. C'est... Tu rentres dans le bureau, tu te dis « Salut ma poule, tu vois. » On en est à ce stade-là, c'est assez cool finalement. Et je sais que normalement, ils font que de la promo, mais ils font pas de sortie d'album, pas d'accompagnement. Et donc là, c'est genre peut-être une des premières fois qu'ils vont le faire, qu'ils vont tenter le truc parce que le groupe leur plaît. Et je me dis que c'est super cool qu'ils sortent un peu comme ça de leur... de leurs habitudes, mais pour filer un coup de main à un groupe qui en plus vaut le coup, j'espère vraiment que ça va fonctionner pour les deux, parce que ce serait pas une mauvaise chose si ça fonctionne aussi bien pour Domino que... C'est donnant-donnant. Voilà. C'est donnant-donnant. J'ai eu un signe, je crois que Clément est prêt. Oui. On va se le faire à l'ancienne via YouTube directement, parce que ça ne fonctionne pas. Ah, vous-même, vous connaissez les captures d'écran. Donc soyez pas surpris s'il y a le player YouTube. Hein. C'est à l'ancienne, mais le principal, c'est que vous ayez le clip. Oui, on voilà. D'ailleurs, on voulait remercier, je vais remercier encore une fois la Chris et d'autres auditeurs qui nous ont dit que notre programme de lecture de la musique a chié la semaine dernière. Effectivement, il semblerait que le truc ait fait une mise à jour, qu'elle soit complètement foireuse, et ça explique aussi le petit souci de clip ce soir. C'est que on est sur des programmes, quand ils se mettent à jour d'une semaine sur l'autre. Toi, quand tu redémarres ton plateau, tu fais « Attends, pourquoi ça marche plus ?» Eh merde. Mais voilà, c'est les joies du live. Puis bon. Dès que t'es prêt, tu le balances et puis je me tais. Hein. Coupe-moi la chic, mon salaud. On va faire un essai. Dites-nous dans le live si vous entendez. Et c'est parti.
Et voilà, on est de retour. Du coup, c'était donc le clip de Hounded que je voulais vous présenter. Et vous m'avez dit deux bonnes choses autour de cette table. Répétez-moi un peu ce que vous avez dit en off. La charade qu'on a faite ? Alors, non. Clément va remonter les micros. C'est pas la charade. Vous avez eu deux bonnes remarques sur le groupe. Et j'aurais bien aimé que vous les partagiez tout simplement au chat. Et du coup, je me suis remis en mode Bandidos hein, parce que les lumières me fracassaient un peu l'œil. Voilà. Alors attends, Clément, tu peux me remettre les micros, s'il te plaît ? Bah, oui, parce que si on a des invités, il faut les laisser parler, quand même. Clément qui est là, en mode, non, mais moi, j'ai plus de micro, c'est ça, bon, je coupe. Lui me fait chier depuis tout à l'heure, je le coupe, là. Là, il est lourd, là. Ouais, il est trop professionnel, ce mec, ça dégage. Du coup, tu me dis... Non, je te disais que ça me faisait grave penser à Soulwork et surtout à Inflame quand il se mettait à chanter. Ça, c'est typiquement ma cam, pour le coup. Bah ouais, clairement, c'est vrai que quand tu les écoutes, tu penses pas à des petits groupes. C'était en mode ah ouais, non, ils font les choses propres et non, ça fait penser à des gros groupes quoi. Ah oui, c'est sérieux, clairement. Et toi, moi j'ai monté le son parce que j'avais bien kiffé. T'as raison. et non, moi c'est sur la première partie de la chanson, ça m'a fait beaucoup penser à Celtic Flesh, dans la façon d'articuler le chant et dans la lourdeur que ça pouvait avoir. Alors évidemment, on enlève tout le côté cœur qu'il peut y avoir sur ces chansons-là, mais oui, c'est lourd. C'est bien lourd. Ouais. Franchement, pour un groupe qui sort son premier album, je suis sur le cul, mais vraiment, c'est en mode ah ouais, ils sont arrivés, mais pas les, comme je dis, pas les mains vides. En fait, ils ont déjà un savoir, et à mon avis, j'ai pas gratté plus loin que ça, mais à mon avis, c'est déjà, ils ont déjà de la bouteille. Ils doivent avoir déjà quelques groupes derrière eux. Franchement, c'est assez lourd. J'espère qu'un jour, j'aurai un peu plus de nouvelles. Ils sont à Lyon. Ouais. Donc ça m'étonnerait qu'un jour on les croise ici. Ça fait quand même 600 bornes. Ah bah, faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge. Ouais. Lyon, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Ça fait deux fois qu'on y joue. Ils sont très très gentils là-bas. Il faut y aller. Hein. Est-ce que tu peux me laisser le temps d'acheter une maison et de monter de quoi dormir pour les invités ? Parce que je peux pas encore. L'avenir, c'est hier. Oui, c'est ça. Bah, non, l'avenir, c'est demain. C'était demain. J'ai pas le temps encore. Par contre, dans l'avenir, j'aimerais bien un jour m'acheter une baraque et monter un dortoir ou un terrain. Et monter un dortoir pour les gens, comme ça, s'ils viennent de loin, ils dorment et ils repartent le lendemain après, tranquille, quoi. Du coup, voilà. On va...
oh mon dieu, alors ça annonce. Alors, il m'a même pas laissé le temps de faire les premières questions d'usage, quoi. C'est direct, il m'a attaqué en mode sale, vas-y, ferme ta gueule le temps que je règle les caméras. Merci, au revoir. Alors, on va commencer par un petit happening. Vous avez déjà vu l'émission, vous savez ce que c'est. Cette sonnerie, c'est. Ça lance un questionnaire un peu spécial où je vais tout simplement vous faire bosser. Et le premier que j'ai envie de vous faire jouer, ça s'appelle Ton groupe. Autour de cette table, même dans cette salle tout entière, qui connaît les blagues de ta mère ? Les blagues de ta mère ? Oui. Ouais. Oui. Oui, ça me parle. Oui, bah voilà. Et bah, je l'ai réadapté. Et en fait, ce soir, on va devoir réinventer des blagues en finissant. Je vais sortir des phrases, vous allez y finir. Mais elles commencent tous par ton groupe ou mon groupe. Première, alors vous allez devoir répondre chacun de votre tour. Hein. Mon groupe, il est tellement inconnu que. Il faut que tu finisses la phrase pour en faire une blague, mon groupe. Oh la vache ! Ah, bah, faut vous faire travailler. Mon groupe, il est tellement inconnu que. Exemple. Ah bah ouais, moi, voilà, j'ai un exemple, c'est. Ouais. Mon groupe, il est tellement inconnu qu'il a payé lui-même son entrée pour. Ouais, qu'il a payé pour rentrer à son propre concert. J'aime bien, ok, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Du coup, mon groupe, il est tellement inconnu. Mon groupe, il est tellement inconnu qu'il a monté lui-même sa sono pour pouvoir jouer. Oh, pas mal. True story. C'est, ouais, c'est ça en plus. C'est ça justement, c'est ça les petites. À moi aussi sur la même. Bah oui. Ouais, vas-y, boss. Vas-y. Ça vous chauffe pour les questions après, ça sera tranquille après. Oui. Mon groupe il est tellement inconnu que qu'on paye Google pour nous trouver. Oh, également. celle-là, elle est violente. Il y a du vécu aussi, bordel. Vache, alors, non, c'est vrai que Google est assez cool au bout d'un moment, quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Faut savoir qu'il reste dans le sens du poil, on va dire. Ah, après, je vais t'avouer un truc. Nous, le jour où on a tapé fréquence métal de toutes les manières possibles, parce que je suis un ancien testeur, de toutes les manières possibles, et que le premier lien qui remontait, c'était soit notre page Facebook, notre site, on s'est pris une cuite. On a fêté ça en mode, on s'est déchiré le crâne après parce qu'on était là en mode, ça y est, officiellement, on existe sur Internet, tout va bien. Alors, deuxième question, et je vais vous citer l'exemple directement. Mon groupe, il est tellement bon que ma mère l'écoute en ASMR pour dormir. Je suis un peu salaud. Mais moi, j'ai eu toute la semaine pour les travailler. Du coup, mon groupe, il est tellement bon que... Que ma grand-mère l'a vu en festival. Oh. C'est quoi, c'est une histoire vraie aussi? Non, ça non. Ma mère a 70 ans, a fait le Hellfest, mais ma grand-mère, non. Elle n'a pas voulu nuire. Elle lui a dit le jour où tu seras doué. Oh, bon. Zut. Zut. Là-dessus, tu me sèches un peu, là. Ah, mais c'est le but du jeu aussi. Oui. Mon groupe, il est tellement bon que. Que j'ai placé mes cartes que chez le poissonnier. Non, pardon. Je suis méchant. Moi, je suis méchant. Que tes soldats avant de mettre en vente tes billets. Ah, oh, pas mal. Mais du coup, celle-là, elle est jolie, elle est pas méchante. J'espère que c'est une true story du coup. Alors, troisième, mon groupe demande tellement peu d'argent pour jouer que, et moi j'ai mis, nos consos nous coûtent plus cher que la paye qu'on a reçue pour le concert. Chouki, t'avais une. Ouais, j'avais. Ah, attends, demande à Clément de te mettre ton micro, ça fonctionnera mieux. J'avais une réponse d'Alan pour mon groupe n'est tellement pas connu, donc je me dis ça peut être sympa. Son groupe est tellement pas connu qu'il a dû mettre des annonces sur Viva Street, onglet massage et rencontre. Alan, t'es sale. C'est un peu sale, on aime bien. Mais après, Alan, faut pas dire ta vie privée comme ça, parce que c'est comme ça que je vous ai croisés, les gars. enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc vas-y, rebalance et lancez là. Alors du coup, mon groupe demande tellement peu d'argent pour un concert que... Qui paye lui-même ses fans pour venir les regarder. Oh, c'est moche. Ça, par contre, c'était une technique qui était utilisée dans les années 80, ça. Pour faire croire que t'étais connu. Non, mais tu déconnes, vraiment ? Ah non, je te jure, il y avait deux techniques. C'est les promoteurs qui faisaient ça. Ouais, les promoteurs, tu louais une limousine et tu faisais le tour des baraques en disant « Ouais, c'est le nouvel artiste !» Mais dans le quartier, il fallait que t'aies une maison de disque ou une truc de concert. Et les premiers concerts du groupe, tu payais pas mal de gens pour venir. Comme ça remplissait les salles. Comme ça, plusieurs salles s'ouvraient et après, tu faisais 10-15 concerts à vide. Eh oui. Ça a vraiment existé. Du coup, à toi. À moi. Donc, ton groupe demande tellement peu d'argent pour un concert. Pour un concert. Que c'est toi qui payes l'organisateur pour ton concert. Oh putain, c'est moche. Ça a dû exister. Ça a dû exister, ouais. Le pay to play. Hein, c'est, pay ouais, to play. Ou certains tremplins, on ne dira pas de nom. Simplement, un pote qui nous a dit qu'il avait fait la première partie de Korn au tout début des années 2000. Les mecs lui ont dit aucun problème, les gars, c'est 5000 balles.
Oh les bâtards. Ouais, ouais, vraiment. Je sais pas si c'était Korn, mais ça devait être un gros groupe comme ça pour le coup. Mais ouais, c'est 5000 balles quoi. Si, putain, ouais, mais est-ce que. Ouais, après. Ça s'appelle le pay to play, c'est juste un fake quoi. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est à voir quand même. J'aimerais pas trop. Hein. Alors. C'est ce business. Hein. Question suivante, c'est là où je dis les dites douilles existent vraiment. mon groupe est tellement connu. Et moi, la réponse était que tu l'as déjà entendu sans le savoir. Mon groupe est tellement connu qu'il passe sur Fréquence Métal. Ah, c'est gentil pour nous, je te remercie. Ouais, pas encore, mais. On a pensé à la même chose. Je sais pas si c'est une blague ou ouais, c'est. Une blague à la base. Hein. J'avoue qu'en fait, non, c'est une blague. C'est vrai que ça fait un peu cynique quand même. On n'a pas besoin de passer chez Fréquence Métal. Ah oui, ça, ce serait bien. T'as pas besoin de passer, parce qu'effectivement... T'as vu cette team? On a... Il y en a un qui répare les conneries de l'autre, c'est ça. Ouais. Ou alors, je sais pas si j'ai envie de virer les deux directement. C'est ça. Mais c'est pas mal. Avant-dernière, mon groupe a tellement peu de vues, et moi j'ai mis qu'on s'est fait virer de Bandcamp. Je pensais pas que ce soit possible, mais on sait jamais. C'est possible. Là, il y a tellement de trucs vrais et en fait en mode blague, mais pas drôle du tout parce que c'est tellement pour, vrai. Quoi. C'est pour sortir le petit démon. Mon groupe a tellement plus de, peu de vues que. Ouais. T'as des youtubeurs qui font des vidéos sur les vidéos les moins vues du net. T'es passé dedans. Mec, ton clip est passé chez Amixem, c'est triste. Bah, si, tiens, j'en ai une. Et pour le coup, c'est une true story. Mon groupe a tellement peu de vues qu'il a dû copier le nom d'un groupe et sa musique pour avoir des vues. Oh, c'est moche, sérieux? Ouais, mais ça, pour le coup, ça nous est arrivé à nous, en fait. Ça, sur complètement un malentendu, on a une vidéo qui a fait genre, bah, d'un coup, sur YouTube. Et il y a un petit con qui a posté genre le même nom, le nom d'artiste, le nom de la chanson, genre, et dire, bon, ben voilà, ça, c'est moi, juste pour avoir 30 putains de vues. Résultat, il s'est fait ban pour des conneries, quoi, tu te dis, quoi. Il a tout copié, en fait, même la description même de la vidéo. Description, ouais. Le seul truc qu'il a changé, c'est la chanson. Mais il a même pris le montage qu'on avait déjà pris de Ready Player One. Enfin, il a pris exactement le même truc. Tu te dis, mais mec, mais t'as pas de race. Ouais, non, mais attends, moi, ce qui me tue en ce moment, c'est quand t'as des mecs qui vont, genre, piquer 30 secondes de gag d'une vidéo du joueur du grenier et monter toute une chaîne là-dessus en disant, non, mais c'est un hommage. Déjà, je suis en mode, mec, t'as tellement pas d'idée et de concept que tu te nourris sur le dos d'un type. Ouais. Enfin, même si le mec me dit, oui, mais non, j'ai pas mis monétiser, machin. Tu te nourris sur le dos d'un type pour faire nourrir ton orgueil. C'est quand même dégueulasse. Mais alors là, ton cas, votre cas à vous, il est quand même excellent. Enfin, le mec, il a pris Adidas Korn, et il a mis son morceau de techno à la place. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, ça passe, quoi. Putain, la vache. Moi, je pense qu'on me fait ça. Le mec qui me fait ça sur Twitch, je pense qu'à mon avis, j'appelle même pas Twitch. Hein. Je vais directement lui mettre un whiz en vrai dans la vie. Tu vois, je vais directement le choper, le secouer sur son siège. Ça, c'est fou. Alors, la dernière, mon groupe mérite tellement d'être connu, et j'ai mis qu'en fait, on a été invité sur Fréquence Métal. Mais bon, ça, c'était de l'auto-promo. Putain, c'est ma réplique, bordel. Oui. Pour une fois que je fais un peu d'auto-promo. Mon groupe mérite tellement d'être connu que j'aimerais bien qu'on l'écoute pour que j'arrête de dormir dans la rue. Oh, pas mal. Elle est triste, mais elle est pas mal. Elle est un peu tristoune, ouais. À votre bon cœur, monsieur dame, une petite vue, un petit like. Un pouce bleu. c'est le trottoir d'Internet, s'il vous plaît, monsieur dame. Je vous fais un feat pour 1 €. C'est ça, ouais. Il mérite tellement d'être connu que... Que je viens de faire des bruits de parasites en pleine émission. Ah ouais, je suis désolé. Non, je te t'inquiète. C'est passé tranquille. Elle est bien celle-là. Ouais. C'est que je me fais chier à les écrire toutes les semaines. Hein. Tellement d'être connu que. On devrait déjà avoir beaucoup de concerts. Ben, on devrait déjà. Qui aimerait bien pouvoir enfin jouer dans le métro. Quoi. C'est vraiment trop injuste. La vache. C'est vraiment trop injuste. C'est vraiment trop injuste, c'est pas normal. Alors, toi j'en pleure. Toi et ton esprit glauque, je sens que je vais vraiment l'apprécier quand on va sortir celui de la scène à l'envers. Très, très bien. À mon avis, ça va être moche. Très très bien, il y a du cynisme derrière. Ah, alors la scène à l'envers, ils y sont. C'est un des premiers qu'on a fait, que finalement on a gardé au bout de 2 émissions pour tout le reste, parce que ça a sorti le petit démon en chacun d'entre nous et c'était génial. Alors, du coup, on va revenir sur des questions un peu plus basiques, ce qu'on appelle le CV communément. Première question que j'aime beaucoup poser, parce que ça met les bases d'un groupe, parce que généralement, c'est la première chose que vous avez choisie. Pourquoi le nom Midnight Street of Rage?
Tu la prends celle-là? Je sais même. Alors, l'origine exacte, je ne me souviens même plus comment on l'avait trouvé. À la base, le groupe s'appelait Mina Street. Ouais. Et alors, cette origine-là, déjà. Mina Street? Parce qu'on faisait du trip-hop, parce que c'était un peu sombre, parce que Midnight c'était cool et parce que c'était beaucoup une époque où on se baladait la nuit. Oui, toi, c'est des bêtises en genre, mais toi, genre, tu vois, on allait beaucoup répéter chez François et toi chez moi d'ailleurs. Et du coup, quand on revenait, du coup, on avait un peu de marche à faire dans des rues de nuit, toi, tout simplement en fait. Ouais. Et on se disait que Midnight Street c'était cool. C'était pas vraiment un nom très trip, inspiré pour être très honnête. Ouais, hein. On fait beaucoup de road trip, ce genre de choses. Et oui, donc ça résonne, mais il n'y a pas d'explication particulière. D'accord. Par contre, la suite. C'est venu d'un délire d'un pote à toi. C'est un pote à moi, c'est ouais. Ça. Un pote du boulot. Ouais. Qui nous a dit Mina Street of Rage. Et référence au jeu vidéo Street of Rage. Exactement. Ouais. Ah putain, je l'ai poncé celui-là. Oh de Dieu. Et déjà, ça nous a lancé sur un EP de reprise des chansons du jeu, du premier opus. Qui était déjà démentiel à l'époque. Hein. Franchement, oui. Pour une fois que la Sega nous sortait des musiques propres. C'était dingo. Oui. C'était dingo. Ah ouais, non, parce génial. Que la Sega, c'était le truc qui détruisait toutes tes musiques en 8 bits dégueulasses. Et. C'est de mémoire, hein. C'est un des seuls jeux que j'ai branché la première fois et tu fais putain, mais le son est vachement bien. Ouais, c'était pas forcément trop quatre notes. Le truc est bien, la musique d'intro était incroyable. Ouais, juste allume le jeu et tu tripes déjà. Quoi. Ouais, c'est clair. Je crois que c'est un des jeux sur Sega que j'ai le plus poncé. J'ai bien ouais, le temps phénoménal à finir, mais ouais. Très bon rapprochement du coup. C'est ça. Puis du coup ben, c'est la première fois qu'on s'essayait à ça. À ce mélange des genres entre ce qu'on faisait avant et un truc qui ressemble plus ou moins à l'époque. En tout cas, ce qui a lancé la voie sur la suite. Wave en 8 bits. Finalement, ouais. C'est presque le nom du groupe qui a choisi ce qu'on allait faire comme musique. Cool. D'une certaine manière, ouais. On s'est retrouvé un peu comme des cons parce qu'on était à trois à la base. On avait une chanteuse pour Midnight Street et ça avait un côté un peu cabaret, un peu en même temps metal, trip hop. On était beaucoup plus du côté de Massive Attack et Neurosis pour faire un petit mélange un peu sympa. Ouais. Et c'est vrai que la chanteuse s'est barrée et en fait on s'est retrouvé vraiment genre gros gens comme devant, comme on dit, parce que genre bah merde. Comme deux cons à minuit sur un trottoir. Qu'est-ce qu'on va faire à un pote qui arrive genre les gars Midnight Street of Rage, oh, tiens je te refais une bière. Et puis ça tourne, on se dit, on se demandait quel était le style qu'on allait faire, parce qu'avec François, il était juste impossible qu'on s'arrête de jouer tous les deux, c'était pas possible quoi. Et on s'est dit, tiens, ça a l'air d'être un bon délire, on va creuser et on va voir jusqu'où ça nous amène. Et il se trouve qu'on s'était à peu près. Voilà. T'as vachement creusé quand même. Non, mais tu vois, je pense que c'était à peu près à cette époque-là qu'on a commencé à écouter vraiment Carpenter Brut, des trucs comme ça, et on s'est dit, il y a peut-être un truc à jouer au final. Et on a commencé comme ça en fait. C'est cool. Non, mais après, moi, j'avoue qu'en plus, la petite référence, la première fois que j'ai croisé votre nom, j'ai fait, putain, mais Street of Rage, tout de suite, j'ai capté, tu sais, sur le nom de ce jeu vidéo, qui m'est vraiment. Je crois que c'est le premier jeu Mega Drive que j'ai fini, en fait. Je suis du genre à commencer des jeux et jamais les finir. Mais celui-là, je l'avais poncé avec un pote, on avait magouillé tout ce que tu pouvais pour le finir, parce qu'il était loin. Il était loin. Très loin d'être facile. Hein. Il y a encore des joueurs d'aujourd'hui, hein, qui se sont cassés le nez dessus, mais violents. Ça, t'accumulais toutes tes vies, t'avais le niveau de l'ascenseur, tu les perdais toutes, tu fais mais bordel. Et après, t'as le niveau du couloir avec tous les boss, le boss rush, tu fais non. Non, on va arrêter là. Ça a l'air nul. Je crois que je vais éteindre ma console, va te faire foutre. Et du coup, c'est comme ça que je vous ai découvert. Et quand j'ai vu que vous aviez refait les sons de l'époque, j'ai fait mais putain, c'est des génies. Parce que en vrai, vous étiez déjà en train de jouer sur un truc en mode ah, mais c'était bien dans ma jeunesse. Ouais, c'est ça. Alors que c'était même pas encore à la mode. Ouais. Tu vois, donc ça vient un peu d'avance sur le coup. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que quand j'ai vu que vous aviez un deuxième album en route, j'ai fait c'est peut-être temps que je les invite quand même. Du coup, voilà. Petite question toute bête, mais ça fait combien de temps que ça existe du coup ? Mina Street of Rage ? Ouais. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, puisqu'on a commencé en 2018 à peu près, en fait. Et étant sur la fin 2021, ouais, ça va faire 3 ans et demi, en fait. 3 ans et demi. Avec le Covid, on dira que ça fait 5 ans. De vécu, 3 ans d'existence, 10 ans de vécu, tout va bien. Donc c'est 2017. Hein. 2017 ouais. Putain la vache. Je suis allé sur notre page Bandcamp. Il y a un mec qui a fait Wikipédia sur nous. On a une page Wikipédia, ça classe. On l'a expliqué vite fait tout à l'heure, mais il n'y avait peut-être pas tout le monde autour du chat. Du coup, vous êtes que deux pour composer ce groupe. Et
qui, bah, prénom et rôle, s'il vous plaît. Eh ben, on y retourne. Papier, donc, s'il vous plaît. Moi, c'est François, et donc je suis à l'MAO. Donc, et donc là, MAO, c'est la musique par ordinateur. Donc, je vais gérer tout ce qui va être les synthés, les basses, les batteries, les ambiances. Tu nous disais en off qu'en anglais, c'est une terreur à trouver un nom. À trouver le nom, parce que bah, musique assistée par ordinateur, enfin, il n'y a pas de traduction littérale, on va dire. Et ce qui va se reprocher le plus, ça va être computer music ou... Beatmaker aussi, mais c'est pas la même chose. C'est non plus. Ça, beatmaker, c'est plus orienté, c'est plus typé hip-hop, rap, R&B, ce genre de choses. C'est pas trop ce qu'on fait. Non. Encore. Après, tu pourrais être le premier beatmaker du monde du métal. Ça pourrait être classe, oui. comme petite médaille. Moi, je dis ça derrière, je propose en des idées. Je sais pas en même temps, si je dis pas de bêtises, alors il faudrait vérifier vraiment parce que c'est une rumeur, mais je crois que le mec qui faisait les zics de Booba, je crois que c'était un métalleux à la base. Genre, il a sorti son premier pas, que des numéros 10 dans ma team, je crois que c'était un métalleux, le mec. Ça m'étonnerait pas parce qu'en vrai, il y a pas mal d'ingé-sons qui sont métalleux. Mais oui, nous sommes partout, les gars. C'est ça. C'est Booba métal, et après, t'es Booba, fais du rap, mais derrière, t'as que des métalleux qui écoutent. Et courage, les gars, courage. Serrer les dents, c'est un métier. Et du coup, tu as quel rôle? Max, guitare. Moi, je fais toutes les guitares, guitare électrique. Je me suis équipé de la 7 cordes exprès pour avoir le son gras. Et à chaque fois que je joue une 8 cordes, je me dis que ça serait peut-être bien d'aller encore plus gras. Mais bon, c'est un autre débat. Et ouais, tout ce qui est gros riff, l'idée, c'est d'avoir les riffs les plus métal à chaque fois qui sonnent. En fait, on ne voulait pas faire de la musique avec des synthés et puis un type qui bave du solo sur du synthé. On voulait vraiment qu'on ait des gros riffs métal derrière. On voulait avoir la chance un jour... C'est toujours ongoing, donc ouais. De lancer un énorme Wall of Death dans nos concerts. Ça, c'est le truc qu'on voudrait faire. J'avoue que tu le lances. Faudrait le lancer sur votre premier album. Parce que lancer un Wall of Death sur Street of Rage, il y a quand même un truc assez méta à faire. Oui, carrément, quoi. Carrément. Tu sais, cet appui sur C, c'est pas le bazooka ou la minigun, le flic minigun qui arrive, c'est la fosse qui vient et qui arrache tout le niveau. Mais les mecs veulent faire ça. Genre, honnêtement, je me souviens d'une fois, on était à Nantes, on avait joué à la scène Michelet, sur un malentendu, parce qu'il y avait une soirée synthwave. Et il se trouve que le programmateur, on l'avait contacté voilà, comme ça en disant genre, bonjour, on aimerait bien jouer, on part en tournée. Salut. Et c'est ça. Et le mec a fait, vous voulez jouer dans ma salle? Vous êtes fous? Mais j'aime bien votre style, donc j'ai une soirée synthwave, donc venez, pourquoi pas, en fait. Et en fait, ce mec est trop sympa. Oui. Et du coup... Il est fou aussi. Il est fou aussi un petit peu. Oui. Mais c'est un big up, Simon, d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'on arrive dans une salle où les mecs étaient des synthwaveux, donc du coup, des métalleux déguisés. C'est ça. Oui. Et genre, je me souviens, à un moment donné, sur une de nos chansons, je sais pas, je crois que je perds l'équilibre, un truc comme ça, je commence à faire le synth d'un Wall of Death. Les mecs commencent à hurler de ouf, à séparer la salle. On était comme des cons parce qu'on n'avait pas préparé assez le temps de préparer le Wall of Death et tout. Mais on s'est dit, ils n'attendent que ça, les gars. Ils n'attendent que ça, quoi. Donc il n'y a plus qu'à pousser. C'était incroyable. Incroyable. Et bah, du coup, c'est parfait. Je vais pas demander au chat de faire un Wall of Death parce que je sais pas si vraiment c'est possible. On va voir si leur créativité peut le. Tu sais, je verrais bien, ils mettent des petits points d'un côté, des petits points de l'autre, puis après, ils les font se rencontrer. Il y a moyen de faire ça dans le chat. En tout cas, Clément, on va balancer peut-être les deux premiers titres pour vous faire découvrir au chat. Clément, je te laisse annoncer. Alors, allume ton propre micro. Oui, attends, oui, parce que... Oh pardon, oui, parce que... Alors, enfin, Chouki ne parle pas fort, du coup, je suis obligé de le régler super fort. Et je suis désolé si ma voix vous fracasse. C'est peut-être la seule chose que j'ai fracassée depuis longtemps. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, on peut se permettre un peu d'humour. Non, on va se passer du coup les deux premiers morceaux de Midnight Street ce soir. C'est vous qui les avez choisis tout à l'heure, les gars. On choisira les deux pendant la pause, on en parlera. On va se passer Crazy Saloon et Alabama Cyborg. Je vais vous laisser rapidement expliquer pourquoi vous avez choisi ces deux titres en premier. Et expliquer un peu l'histoire de ces titres, si vous voulez. Alors, pourquoi ces deux titres? Plouf, plouf. J'explique Crazy Saloon, t'expliques à la maman. Hyper facile. Bah, Crazy Saloon, c'est une des premières chansons qu'on a sorties. En fait, quand on a fait l'album, on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus catchy? Qu'est-ce qui montre le plus l'essence du groupe, en fait? Et c'est vrai que quand on pense à notre groupe, ce qu'on veut, c'est on veut balancer de la bonne humeur, on veut balancer des rythmes qui font danser, qui font pogoter et tout.
Et ouais, on veut à la fin qu'on sorte avec un énorme smile parce que c'est comme ça qu'on joue sur scène en fait. Donc ça semblait hyper logique en fait de balancer celle-là tout de suite en fait. En même temps, le groupe qui te fait sortir et tu tires la gueule, c'est que t'as pas passé un bon moment quoi. Donc, c'est pas vous, mais sinon ça s'appelle le black metal. Ouais, aussi. Mais j'adore le black metal personnellement. Mais j'arrive pas à tirer la gueule pour autant. du coup. Et Alabama, non, c'est juste parce que ça va bien avec Chris Saloon. Il n'y a pas de raison. D'accord. Où est-ce qu'on trouve des saloons en Alabama, hein, c'est pas si. Hyper facile. Et pourquoi Cyborg? Pourquoi Cyborg dans le nom de la chanson? Ouais. Non, c'est le nom de code. C'est le nom de code. En fait, surtout, bon, ce qu'on s'est dit à la base, c'est que, en fait, quand on compose, on juxtapose des noms à la con pour se dire, OK, ça nous fait penser à ça, vaguement. En fait, quand tu regardes l'album, tu as le nom et tu as un truc entre parenthèses à côté. Parce que tout notre album Modern Desert raconte une histoire. Il y a une histoire cachée, justement, qu'il faut trouver, parce qu'on ne l'a pas révélée, mais cette histoire existe, elle existe sur le net, en fait. Si on lit les titres, il faut la trouver. Ça, moi. Exactement. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, dans l'ordre des chansons. J'ai cru que tu jouais ça comme un plateau, tu sais, où jette des. Ah non, non, non. 5 ah, et 3, non, non. Alabama Cyborg, ouais. Vas-y, ça passe. En fait, on a. Tu sais, c'est les trucs sur Facebook, votre nom d'acteur porno avec votre famille voilà. Et date de naissance, tu sais, les trucs ça. Comme ça. Non, non, mais en fait, à chaque sortie qu'on a fait, que ce soit les EP albums, on a toujours raconté une histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On part d'une histoire qui existe déjà et qu'on adapte ou qu'on invente complètement. Généralement, c'est Max. Ça me rappelle un concept d'émission, ça. Et puis, derrière, on va composer avec cette histoire en tête. Voilà, l'idée, c'est d'illustrer ça. Eh bien, écoute, on va écouter ces deux titres. Et yes. Après, je vais vous proposer d'autres questions. Mais moi, je vais vous garder une anecdote qui est vraie et qui est un peu salée sur ma vie, sur justement la composition d'un nom. Du coup, je vous garde ça juste après. On va se lancer deux titres. Je vous ai fait un petit affichage en deux spies un peu mieux parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires là-dessus la semaine dernière. On ne voyait pas assez distinctement la jaquette de l'album, ce qui était vrai parce qu'il était en tout petit sur l'écran. Ça a changé, vous pouvez citer du visuel et du son. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Peut-être qu'il y aura un happening, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et peut-être qu'il y aura des lancements forains parce qu'on m'en demande et on m'en parle dans le chat. Donc il y aura possiblement un lancement forain ou deux avant la fin de l'émission, si ça vous fait plaisir. Voilà, on s'écoute ça et puis je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de mettre ma caméra aussi. Je suis en train de faire des bidouilles en direct, on modifie l'émission. On est sur Fréquence Métal. Voilà, que dire de plus ? C'est Chouki qui fera la transition de la musique. Donc si ça foire, c'est voilà, hein, je mets des douanes et je vous fais des bisous. Allez. Le mec qui se dédouane de son boulot. C'est Allez. Pas de ma faute, c'est le stagiaire. Allez, à tout de suite.
Et vous revoilà sur Fréquence Nationale, vous venez d'écouter les deux titres. Clairement, on est sur de la très bonne synthwave. Un truc que j'aime beaucoup, que j'aimerais voir de plus en plus dans les jeux vidéo, et je l'ai dit en off, mais il y a de ça très 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 longtemps sur mes tout premiers live gaming que je fais sur la chaîne secondaire qui s'appelle le Labo de Punky. Il y a un jeu que j'aimais beaucoup, mais la chanson c'était de la merde. Et à l'époque, du coup, j'avais coupé le son du jeu et j'avais mis derrière avec notre base de données votre premier album en mode allez, vas-y, ça passe. Quitte à se faire pourrir sur Twitch, autant le faire pour de bonnes raisons. Trop sympa. T'avais une anecdote hein, sur un mix de noms. Oui. Alors, du coup, je vais sortir cette anecdote. On parle de noms composés comme ça. Ce qu'on n'imagine pas des fois, c'est que ton propre nom dans une autre langue peut dire beaucoup d'autres choses. Et moi, j'ai appris, à l'époque, je sortais avec une demoiselle qui était chinoise, et j'ai appris que Gilles, en Chine, ça se dit Zile. Et Zile, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut être traduit. Et je vois à l'époque ma belle-mère qui réfléchit, qui devient rouge et qui se barre en courant. Je ne comprends pas. Et en fait, on m'explique que Zile, ça veut dire gros serpent dans la petite maison des chats. Et alors là, je ne savais pas, mais j'ai un nom d'acteur porno tout à fait trouvé. C'est parfait. Déjà depuis. C'est parfait. Et du coup, quand tu m'as dit les noms composés à l'arrache, j'étais tombé. Ça m'a rappelé ça et je me souviens de ce malaise en mode ah. Non, mais moi, j'ai une association horrible avec l'histoire de Catcher du coup que tu venais nous faire quoi. Acteur porno, Catcher, Zilo. Gros serpent dans la maison des chats. Ouais. Si ça, tu peux pas en faire un titre pour un prochain morceau, c'est assez fou. Je vais lancer un petit fil rouge. Dis-moi. Non, j'allais dire Xilou, ça veut dire autre chose. Mais... Xilou, ça faudra me l'expliquer. Hein, non, gros serpent dans la petite maison des chats. Enfin, bah oui, c'est ça en c'est... plus. Ouais. C'est, bah, j'ai dit des chats pour être poli sur Twitch, mais en vrai, c'est le chat féminin en plus. C'est vraiment on l'avait. Mon nom jusqu'au poil de. Il est dégueulasse qu'on chine. Donc je pense que j'irai avec la bande-annonce de Xilou avec son accordéon. Je me présenterai avec un clip en Chine. Mais, ou avec son xylophone. Oh ouais, la grosse baguette. Du coup, putain, arrêtez-moi. Excusez-moi pour celle-ci. Allez, c'est parti, on est parti dans le sale, on va jamais en sortir, merci, au revoir. Alors, est-ce que tu peux me faire un résumé de comment les deux morceaux ont été amenés dans le chat? Et est-ce qu'on a déjà une ou deux questions pour le groupe? Alors, tout le monde a adoré, tout le monde veut danser, tout le monde veut se remettre au rétro gaming grâce à ça. Il y avait des suggestions de clips aussi là-dessus de Sean qui disait « ça a sauté ». Ah oui, une animation style arcade qui fait une choré ou imite une quête épique. Donc je me dis peut-être un mélange des deux, une choré en faisant une quête épique, moi je veux bien. Les deux, il y a un truc là-dedans. Ouais. Voilà, un jeu de shoot à la Doom, sinon mais vraiment tout, tout ce qui est jeu vidéo, je pense que c'est un peu votre inspiration aussi. Donc, Ça se sent pas du tout dans la compo. C'est un pur hasard. Ouais. Et du coup, on avait une petite question genre de Yuzu qui demandait si vous penseriez mixer des voix avec la MAO. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Sur quel titre? Sur deux titres. Sur deux titres. On a fait des reprises de Spin Me Round. Dead or Alive. Oui, elle démonte celle-là. Avec Joachim Prechner. Là. Alors, mec, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, mais celle-là que vous avez fait avec Joachim Prechner, je l'ai poncé une centaine de fois en Italie à un point que les voisins italiens me détestaient à cause de cette chanson. Mais je l'ai poncé sans déconner une centaine de fois en Italie. Donc si un jour vous avez un retour d'Italie, c'est forcément moi. C'est... Qui est un énorme délire celle-là. D'ailleurs, c'était très très drôle à faire. Mais vraiment. Faudrait qu'on retrouve le lien parce que celle-là. Je dis pas de bêtises, je crois que je vous l'ai envoyé. Non, je crois pas. Non, peut-être pas. Mais de toute façon, elle est dans mes YouTube. Elle est sinon dans Bandcamp. Je crois qu'elle est sur YouTube aussi. Aussi, ouais. Donc, elle se trouve. Et du coup, le deuxième titre. Et celle-là, je la kiffe. Hein, c'est officiel, pardon. Et le deuxième titre, c'est... C'est Nicky Larson. C'est Nicky Larson, Footsteps. Oh, Nicky Larson en plus. On reste dans le gros serpent et la maison des... Enfin, bon, bref. On va jamais en sortir. Avec Isabelle de Sinensis à la voix, qui envoie du bois. De l'énorme bois. Alors, Sinensis, j'en ai entendu souvent parler et j'ai jamais eu le courage encore de les contacter. Eh bien, écoute, on va très certainement jouer avec elle là dans peu de temps. En fait, on a un concert qui essaye de se monter avec elle notamment.
Et elles sont trop bien, ces nanas. Elles sont trop bien. Elles font un électro-métal qui envoie. Isabelle, elle a une voix, mais vraiment, qui défonce. Cory, ouais, derrière, au gratte, au MAO aussi, mais oui, envoie. Mais vraiment, bah, du pâté. Hein. Et elles sont adorables. Ouais, et c'est vrai que nous, cette saison, vous êtes déjà le deuxième groupe de fusion, entre guillemets, qu'on amène. Mm-hmm. Et je pense que c'est un style que je vais essayer d'amener un peu plus sur la chaîne, parce que c'est un style qui est un peu moins, on va dire, visible sur la scène métal pour moi, alors que c'est dommage, parce qu'il y a des trucs de fous furieux qui se font. Ouais. Et Silensis, ça en fait partie. Donc, à la limite, si un jour tu les croises, passe-leur bonjour de ma part. Ça fait un petit moment que j'aimerais bien les voir en concert et les rencontrer, du coup. Ça sera fait. Alors, j'avais la question de quel est le style de ce groupe, on l'a déjà dit. Ah, intervention, dis-moi, Clément. Oui, je voulais remercier quelqu'un dans le chat qui a offert un abonnement à la communauté. Oh, adorable. Hein ? Mais non, c'est Coco Pelfoto. D'accord, bah merci Coco. C'est cool, merci, bienvenue à toi. Merci Coco. Et de... Salut, salut. Attends, Coco. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que c'est toi qui as eu l'abonnement. C'est moi le daron ? Oui. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'est génial, c'est-à-dire que j'ai gagné un abonnement pour ma propre chaîne. Voilà. C'est génial. C'est tombé sur toi, putain, le hasard, c'est aléatoire, hein, ça, quand on offre un abonnement. Mais on dirait un directeur qui lance un concours pour gagner une Mercedes et après une semaine, tu t'aperçois que c'est lui qui a gagné la Mercedes. Ça sent l'arnaque, tu sais. Ça sent un peu l'arnaque, ouais. Mais on n'est pas TF1, non, c'est le hasard qui a fait ça, je suis désolé. Du coup, c'est de la Dark Synthwave. Ouais, nous on appelle ça de la synthwave metal. Après, on est souvent catalogué aussi dark synths parce que, bah, en principe, les synthwave jeux un peu énervés, ouais, c'est de la dark synths. Sauf qu'en vrai, quand t'écoutes la dark synths, tu vas très peu entendre des guitares électriques. Il y en a, mais il n'y a pas le traitement qu'on a nous. C'est-à-dire que là, la dark synths, ça va être du solo. Aussi, ouais, exactement, ça va être du solo beaucoup plus dark et beaucoup plus speed. Et nous, on n'est pas tout le temps là-dedans. Et puis surtout, en fait, on a un gros truc assez positif dans nos chansons. Et la dark synths, pour moi, c'est. Ouais, c'est pas joyeux. Ah non, pas du tout. C'est les russons de Blade Runner, quand ça envoie vénère. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment nous, en fait, en vrai. Pas du tout. Mais vous avez quand même un style bien défini. Donc, on a, grâce à vous, des stagiaires de l'AFTEC qui ne sont pas obligés de se suicider au moment de ranger vos CD. C'est une très bonne nouvelle. On en a parlé, mais du coup, vous avez déjà deux EP qui sont sortis maintenant. Un EP, un album. D'accord. Le titre Spin Me Around avec Joachim, il était dans Joachim ou Joachim, pardon. Joachim, je crois. Joachim. C'est con, en plus je le suis déjà sur deux autres groupes que je kiffe aussi, notamment un groupe de dark country. Death Patson. Oh putain, un jour il faut que je les invite. C'est pareil, ça je l'ai saigné. C'est sale, Joachim, faut que tu me fais des choses sales, faut que t'arrêtes. celle-là, elle était dans un EP ou c'était un bonus? Bonus track. C'est un bonus, ouais. Un bonus track, j'adore ça. Bonus track, pour des raisons, d'ailleurs, bah, on ne pouvait pas la vendre, c'est pas à nous. Oui. Donc on a dit, bah, écoutez, ça sera sur l'EP New Haven City, mais ça sera pas la partie vendable, en fait. Donc ouais, en gros, elle est téléchargeable gratos sur Bandcamp, celle-ci et Footsteps. Mais putain, mais foutez-vous plaisir, celle-là, elle démonte. C'était mon réveil en Italie, je l'ai écouté, mais je te jure, j'ai plus de besoin avec celle-là. Petite question introspection, est-ce que vous avez des causes ou des messages défendus par le groupe, à part peut-être le jeu vidéo, qui semble être très bien défendu? Des causes? Ouais. Pour être honnête, enfin, après je pense qu'on a nos deux versions des réponses, mais... Bah, je prendrai les deux. Bon, pas un enfin, oui. Tout bien, tout honneur. Hein. Avec grand plaisir. Je ne suis qu'animateur ce soir. Non, on a l'air de bien s'entendre, il y a une collection, donc pourquoi pas. C'est les cheveux longs. Et voilà. Non, en fait, en vrai, pour ne pas insulter les gens qui ont une cause, je te dirais que non, on n'en a pas. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à défendre quelque chose en fait en me disant « Ouais, je suis à donf derrière la cause animale ou quelque chose dans le genre. » Tu vois, genre... Non, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand on compose notre musique, la seule cause qu'on a, tu vois, c'est vraiment de s'amuser et de transmettre de la bonne humeur. Donc, pour moi, c'est déjà une putain de bonne cause. Ouais, ça c'est vrai. Mais tu vois, genre... offrir des sourires aux gens. C'est ça. C'est répandre le bonheur autour de nous. Ouais, un peu ça. Ouais. Connaissez-vous Jésus? Pardon, j'ai eu un rapprochement dégueulasse en tête. Pardon. Non, mais sans rire, ouais, moi je pense pas qu'on ait de cause derrière. En fait, on a nos opinions sur plein de choses et on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais c'est vrai que la musique, c'est le terrain justement où pour l'instant on n'a pas trouvé de cause. On se dit, bah tiens, on va la défendre via cet album ou via notre groupe. Ouais, okay. Moi je vois plus chez vous, c'est un terrain de jeu vraiment pour le coup. C'est ce que j'allais dire, c'est un terrain de jeu, on s'amuse et. Tu sais que y a pas à avoir honte. Hein. Techniquement, nous, une des premières causes de Fréquence Métal, c'est de distribuer des sourires. On essaie de distribuer des sourires aux groupes qui viennent parce que être passé ici, ça leur a permis, je sais pas, d'être passé en radio, d'être passé ailleurs. Enfin,
ça les a fait augmenter quelque part un peu un step, comme tu dis. On fait ça pour les boîtes de promo et de prod, les toutes petites boîtes qui défendent leur poulain, et quand ils passent chez nous, ils sont là en mode « Yes, ils sont passés, ils ont fait 200 vues !» Tu vois. C'est con, mais ça leur fait plaisir à souhait. Je reçois des mails, des fois, de boîtes de prod, « Putain, mais c'est malade grâce à vous, il y a eu 30 albums vendus. » Et bah écoute, tant mieux, c'est leur talent qui a parlé. Et après, nous, le plus beau des sourires qu'on puisse avoir, bah, c'est tous ces gens qui nous soutiennent tous les jours derrière l'écran, qui nous écoutent, qui nous machin. Et pour nous, c'est la première des causes de Fréquence Métal, c'est de distribuer des sourires. Donc, y a pas... pour moi, c'est une des plus belles causes à défendre. Des plus compliquées, selon les périodes que tu passes, puis il faut s'adapter à tout le monde et c'est pas toujours facile de faire soi à tout le monde, mais c'est une très bonne cause. Du coup, bravo les gars. Alors, petite question, et on y a un peu répondu, mais comment le groupe a-t-il évolué dans le temps? On y a un peu répondu avec la chanteuse qui était partie, avec cette blague autour d'une bière qui finalement est devenue... qui est partie d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais qui est partie dans de super bons termes. On sait pas du tout que la chaîne n'est rien. Elle est partie au Canada. Et donc, du coup, ça faisait très longtemps qu'on faisait de la zik avec elle. Pour le coup, on avait un autre groupe avant avec elle. Et donc, quand on s'est dit qu'on allait évoluer, du coup, ça s'est fait un peu via Street of Rage et tout. Et en fait, on a commencé notre premier EP en se disant si on devait faire de la musique dans ce style-là, à quoi ça ressemblerait en fait? Et donc, on a commencé à bosser sur une chanson qui s'appelait à l'époque Raging Engine, pareil, c'était dans le délire. Et on s'est dit, on va essayer de cumuler des ambiances. En fait, c'est ça, en fait. On voulait vraiment créer une histoire derrière tout ça. On voulait que nos chansons t'inspirent, en fait, une atmosphère et te donnent envie, en fait, de suivre un fil conducteur. Et c'est vrai que je me souviens, on avait fait un festoche, un tremplin qui s'appelait, c'était Merganza à l'époque. Et on avait joué avec des gens très, très cool qui s'appellent Dealing for Dimes et qui cartonnent bien là actuellement, c'est très bien. Je les ai écoutés, je crois, la première fois il y a 2 ans. Ouais. Et ils sont en train de tout expliquer. Putain, c'était pas. Arrête de me rappeler des groupes comme ça, moi ça me dit que je fais pas mon boulot derrière. Et le truc, c'est que là, je me souviens, c'est la batteuse qui vient nous voir au moment des balances, qui fait c'est trop cool, on dirait une musique de film. Et je me dis, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée en fait. Et en fait, petit à petit, on a évolué comme ça. On a composé derrière une autre chanson qui s'appelle The Dancer. Pourquoi? Parce qu'à un autre concert, on avait vu genre des personnes devant nous qui avaient dansé sur un de nos titres avec un gros sourire. On s'est dit, c'est ça, voilà, on a envie de faire danser les gens. Donc on va l'appeler The Dancer en fait. Après, on est tombé sur Edith Piaf, on a composé No Breaks. T'as pas pensé à refaire de l'Edith Piaf pour danser les gens? Non, pardon, je déconne. Edith Piaf en synthwave, c'est non. Ah, si, y a, tout se fait en synthwave. Hein. Tu prends un sac des crados. Tu vas te faire défoncer après quand même. Non, et puis en gros, on a composé le tout premier EP comme ça en fait. Et on s'est dit, on va faire une juxtaposition de morceaux. Et est-ce que ça marche en fait? Et on s'est dit, en tout cas, ça marche suffisamment pour qu'on ait suffisamment confiance en nous pour se dire, ok, on va faire un EP quoi. Oui. Ah, mais écoute, si ça marche assez pour te faire plaisir, te dire, vas-y, je pousse un EP au cul et on le fait, moi je valide. Non, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, d'accord. Non, parce que t'es vraiment dans mon angle mort, c'est terrible, je te vois au dernier moment à chaque fois. Si la motivation a suivi, c'est une très très bonne chose. Alors, une petite question comme ça, un peu gentillette. Mais pour vous, la première victoire ou la première gloire qu'a eu le groupe, c'était quoi? Je pense qu'on aura deux versions de cette réponse, à mon avis. Ouais. Mais tu vas commencer, tiens. Comme t'es dans mon angle mort, c'est toi qui commences ce soir. La première belle victoire qu'on a eue. Alors, pas forcément belle, mais pour toi, la première victoire pour toi, c'était quoi? Moi, c'était Seine-Michelet à Nantes. En fait, c'était le premier, un des premiers concerts de notre tournée. Nous, de ton micro. Pardon. Voilà. On fait des mini-tournées, des petites tournées de 3 jours. Ouais. Et puis, tac, 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 on en fait plusieurs comme ça. Et donc, ça devait être vers le début de la tournée. Du coup, on attaque Nantes, Seine-Michelet. Ça va? Canon. On a fait pire. Hein. Super condition. Et puis vraiment, dans le synthwave, on a beaucoup parlé des métalleux qui viennent voir le synthwave, mais dans les artistes synthwave, tu as les gens qui viennent de l'électro, de la techno, d'un côté, et puis les autres qui viennent du métal. Et ce soir-là, on jouait avec que des artistes qui venaient de la partie techno. Ouais. Donc on se sentait un peu un peu tout seul, peu différent, un peu mais machin. Pas longtemps à mon avis. Et alors on a reçu un accueil de malade, il y avait beaucoup de monde et on n'avait jamais eu autant de monde si loin et reçu un tel accueil du public, c'était Mais tu sais que ça m'étonne pas, moi j'ai toujours dit s'il y a un point commun, gros point commun entre le métal et l'électro, c'est que dans les deux cas, ils ont le public le plus motivé au monde. Ouais, parce que l'électro comme le métal tient à 90%,
par des assos que les mecs dans la fosse ont fondé. Oui. Donc, oui. T'étais forcément d'être bien reçu. Et puis, votre style étant un peu grappillant un peu de deux côtés, ça m'aurait même pas étonné que ça marche. Mais ça a dû être un putain de plaisir, on a vu. Oui. Non, c'est vrai que pour le coup, en fait, on a la vraie version, la même version, quoi. Parce que moi, pour moi, c'était aussi la scène Michelet, en fait. C'était vraiment la espèce de consécration pour nous, parce qu'on a essayé vraiment de le faire un pas après l'autre. C'est-à-dire qu'on a enregistré l'EP, on a fait tout ce qu'il fallait pour se faire une scène. T'es grand, dans tes pas, il y a deux marches énormes. On a fait un petit EP, on a fait la scène Michelet, non. Pardon, excuse-moi, il y a de la varap là. Bah, en fait, on y est toujours allé au culot. C'est-à-dire, on a appelé les gens juste pour. On aimerait jouer chez toi, comment ça se passe, est-ce que c'est des conditions qu'on peut remplir, on peut pas, bon bah tant pis, on peut, bah c'est génial, merci à toi. Et donc Simon, qui était à l'époque programmateur de la scène Michelet, nous a fait confiance, et c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en plus, le premier artiste qui jouait faisait un synthwave très chill, très très cool, mais vraiment très très cool, mais c'était sa première scène, il était pas super à l'aise, et du coup en face de lui, bah, il avait un public qui était en train de chiller et tout, et on s'est dit mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'on va arriver avec notre guitare électrique, on va tout défoncer, on va leur arracher les oreilles aux gamins, qu'est-ce qui se passe. Et là on se retrouve en face d'une horde poilue furieuse, genre qui nous envoie genre mais de l'amour, mais c'est ça, mais les mêmes qui étaient chill 5 minutes plus tôt, mais hein. ouais carrément quoi. Et en gros la salle a chauffé direct, en fait. C'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'on se vend pour un concert, on leur dit bon ben voilà, on peut tenter de chauffer votre salle parce que ça a marché dans le passé et ça a plutôt bien marché. Donc n'hésitez pas, quoi. Il se peut qu'un Wall of Death se fasse, qu'on ne le contrôle qu'à moitié. C'est notre vol le plus cher. Mais si ça marche, tu nous dois une tournée. Bisous. Non mais oui, Saint-Michel clairement, quoi. Tu pensais que j'allais dire quoi? Je sais pas, mec, je ne sais pas ce que tu allais penser. Du coup, est-ce que Clément, tu as filé le micro à notre ange gardien du chat? Parce que je t'ai oui, vu. C'est bon. Dis-moi les questions. Ah oui, parce que je rappelle que si cette demoiselle intervient pour vous, elle est là pour lire vos questions. Cette antenne est une antenne libre et vous avez le droit de poser toutes les questions du monde. De toute manière, tant qu'ils n'auront pas répondu à tout, ils ne sortent pas de l'émission. Donc, profitez-en. Du coup, j'avais encore une question d'Alan qui rebondit sur le fait qu'il y a énormément l'univers des jeux vidéo dans votre style musical, et il demande si vous avez essayé de proposer vos services auprès de concepteurs de jeux vidéo. Ouais. On a la première boîte qu'on a vraiment approchée, c'était celles qui ont fait Street of Rage 4, forcément. Ça semblait logique. Ouais. On n'a pas réussi à les pinguer, dommage. Mais sinon, ouais, assez régulièrement, en fait, on appelle ces gens-là, en fait. On appelle ces gens-là parce que c'est, c'est à mon avis, ça marcherait. Ça s'y prête à mort. Ça s'y prête à mort. Enfin, pour avoir fait un let's play d'un jeu d'un jeu qui était moyen avec une musique moisie, quand j'ai remis votre son, c'était 10 fois mieux. Hein. Merci beaucoup. Non, mais voilà, je te le dis comme je le pense. C'est voilà. Donc si dans le chat vous connaissez des gens qui développent des jeux vidéo, n'hésitez pas à envoyer un petit message, un petit contact. Moi j'aimerais bien trouver vos sons dans des jeux. Ouais, on disait des jeux de rythme. Genre, tu sais, toutes les bornes d'arcade au Japon, ils sont fans de jeux de rythme. Ah bah oui, à fond. Ouais. Ça passerait dur. Dans DDR, ce serait canon. Mais c'est vrai que même dans les salles de Pachinko, quoi. Oui. C'est ça. Non mais, tu sais, je vois bien le truc, le tambourin, mais tu sais, avec ton saut guitare, le mec il a ça va trop vite, tu vois. Le guitar héros, mais il y a 14 touches, peu, tu vois. On a assez peu touché aux jeux indés. Ouais. Et on devrait. Bah c'est un vrai réseau à percer, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu démarres, en fait, tu sais pas trop où donner de la tête. En fait, tu te dis je vais contacter ci, je vais contacter ça. Et ah ouais, il y a les webzines aussi. Ah putain, il y a les playlists aussi. Et, tu te dis bon. Comme disent les Anglais, do few things well. Donc, on essaie déjà de faire few things well. Mais c'est vrai que non, les jeux vidéo, c'est définitivement un truc qu'on voudrait approcher. Ça semble surtout tellement le logique, jeu, quoi. Le jeu indé a maintenant de plus en plus sa place. Et on rappelle, c'est que les jeux indés, c'est des jeux à petit budget. Et ouais. Donc, si toi, tu peux proposer ta musique à moins cher qu'un gros groupe, mais que derrière, de toute manière, tu seras écouté, tu vois, machin. Et faut voir, c'est que tu as des petits jeux indés qui, des fois, ont été développés par un peu comme nous, tu sais, deux cons au fond d'une cave, qu'on fait des cartons de malades. Oui. Ouais. Donc, il y a moyen qu'un jour, ça passe. Hein. C'est pas vraiment un souci, pour le coup. Nous, on est très, très fan d'un jeu, pour le coup, qui a été développé au fond d'une cave, qui s'appelle Phasmophobia. Pour le coup, oui. On adore. Ah, oui. On le ponce tous les midis. Et oui, ça c'est quelque chose auquel on croit à mort, quoi. On nous a dit, est-ce qu'on pourrait pas proposer un Wall of Gamer de Wall of Death? Eh bien oui, faisons-le. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tous déguisés en Minecraft, et après, ils se foncent les uns dans les autres. Ça serait grandiose, ça. Ça serait vraiment là aussi un bon délire. C'est d'avoir une scène vraiment avec
que des cosplayers dedans. Et les mecs, ils se foutent sur la gueule. Et c'est parti, quoi. Le Street of Rage, mais à l'ancienne, ouais. Vraiment costumé et tout. T'as une vraie furie au milieu et tout. Tu dis, ah, vas-y, lâche la furie. ce classe, on nous dit, vous avez un putain de talent, rien qu'en écoutant, je voyais déjà des jeux de baston, d'aventure. Franchement, vous devriez essayer. Bah oui, soyons clairs, c'est une chose que vous devez faire. On essaiera de vous aider si on peut. Bah, merci beaucoup. Merci. On a InSpite qui nous a dit, pour les jeux vidéo, demandez à la rédac de Canard PC s'il peut vous mettre en relation. C'est peut-être une bonne. Will do. T'as essayé ? On le fera. On le fera. Voilà, on a Chan qui fait c'est moi la cosplayeuse. Eh bah écoute, t'as un concert. Vas-y. Qui est. Si la prochaine fois que vous passez à Nantes, prévenez-nous. On préviendra Chan. Comme ça, vous aurez peut-être votre premier cosplay dans la scène. Ah bah ça mais là je, veux une photo avec elle sur scène. Ah mais clairement qu'elle monte et qu'elle fasse un énorme slam. Ça, c'est évident. Et cette même demoiselle qui vous dit, mais oui, mais en convention geek, vous auriez trop votre place. Mais oui, putain, les gars. Alors ça, parlons-en. Mais les gars, c'est très parlons-en. Parlons-en. Merci, Chan. Merci pour cette question parfaite. Parce que nous arrivons sur les Geek Ferries. Oh, pour de vrai ? On a fait les Geek Ferries. On les a fait. On a fait les Geek Ferries. Et ça, c'est une vraie histoire à raconter depuis le début. Depuis le concert de Dijon. Mais vraiment. On a tout notre temps puisque Clément est en train d'hurler après ses caméras, donc tout va bien, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, on va se passer le relais parce que l'histoire est entre guillemets relativement longue, on va essayer de la faire de manière assez fun. Et moi je dirais de la merde au milieu, vas-y. Très bien. Les rôles. Grosso modo, en fait, on venait de s'enchaîner une petite tournée 3 jours, un samedi soir à Dijon, et grâce à des potes que certains dans le chat à mon avis connaissent, s'appelle Kickban, ils sont un groupe justement de, comme ils disent, quand les geeks font du rock, c'est un... Classe. Assez évocateur, qui nous avait dégoté un plan c'est pour jouer. C'est quoi le titre L'amour tarde ? Ah, c'est pas impossible. En tout cas, ça ressemble. Tarde, la Dijon, on en parle. Ça ressemble à leur humour à la con, ça. Pardon. Ce sont des mecs très très cool pour le coup. Et qui nous avait dégoté le plan pour jouer au Geek Ferries. Mortel. On finit le concert à Dijon. Le soir, on se dit, bon, ben, on va pas picoler, on va pas la faire longue parce que les Geek Ferries, c'est à Tours, on a 5 heures de route. On va dormir tôt. On va pas faire les rockers, on va dormir tôt. Alors, faut savoir que Dijon, c'était notre 3e concert du week-end. On l'avait déjà lessivé. On l'avait déjà dans les pattes. On était déjà bien. Et on n'arrive pas à dormir. Et on n'arrive absolument pas à dormir. Le stress ou. Aucune idée, l'excitation. À 3h du mat, je vois la lumière des chiottes qui s'allument. C'est ça. Salut. François qui arrive, salut, tu dors pas toi non plus. Non. Je t'emmerde. Et on est parti sur le matin. Quand je pense tout le temps qu'on aurait pu passer à boire des bières, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Quoi composer ? Non, à composer. C'est pas faux, mais on avait la voiture derrière, donc bon, faut pas déconner non plus. Quoi. Non. Bon, conduire, faut choisir. Moi, quand j'ai vu le prix de l'essence, j'ai choisi. Oui, voilà. Et on enchaîne derrière sur le trajet. Sur le trajet. Alors, écoutez, il fallait absolument rester réveillé. Donc, François Pérus, à Bâle. Oui, c'est vrai. À se relayer sur des périodes de 1 heure de conduite parce qu'on n'en pouvait plus. On était là vraiment à fond, on n'en pouvait plus. Et on arrive au Geek Ferries. On s'installe, scène géniale, les ingé-sons parfaits, on est accueillis, je ne sais plus combien on avait 3 ingé-sons. Faites vos thèses, 2 heures pour dormir. Non, allez. C'était, quand t'as ton ingé-son juste pour les retours, tu te dis, c'est, ah ouais c'est bien. Ah ouais, pardon, non, moi je m'occupe juste des retours, toi je t'aime. Et puis en fait, alors on démarre le concert, ça se passe bien, sauf que les gens ne sont pas au courant qu'il y a des groupes qui jouent. Du tout. Donc en fait, on a joué devant. Alors si, il y avait quand même Il y avait la buvette pas loin. Ouais, il y avait la baraque à frites et les gens faisaient la queue pour s'acheter des frites et des boissons. C'est là où ils sont boissons. Tous normalement. T'es tranquille. Et là, ils peuvent plus bouger. Ils attendent leurs frites. Et mais voilà. Mais sinon, c'était triste quelque part d'avoir de si bonnes conditions. Et malheureusement, il manquait juste un marketeur pour prévenir. Exactement, ouais, exactement. Et alors, c'est vrai que la nana de la baraque à frites, à la fin, genre, ouais. rugit sur Spin Me Round, justement, genre, se met à danser comme une ouf et tout. Et à la fin, nous dit, genre, mais c'était trop bien, mais je comprends pas comment ça se fait. Les gens, ils ont pas compris qu'il y avait des concerts. Et nous dit, là, avant-hier, il y avait 2 nanas qui défonçaient absolument tout et il y avait personne devant elles. Et elle parlait de Sinensis. On se dit, oh merde. Après, il faut voir, c'est que les Geek Ferries, c'est aussi un moment où tu peux rencontrer tes youtubeurs, tes Twitchers et tout. Et que des fois, tu passes aussi 4 heures dans une file à attendre. Ouais. Donc, tu lâches pas forcément ta place. Tu sais, quand tu attends 6 heures pour avoir une signature du JDG, bon. Et t'es ça. Là en mode, je vais peut-être pas réattendre 6 heures. Je crois qu'en face de nous, il y avait une conférence de LinkedIn. Je crois que c'était ça. Donc, du coup, on était battus. Mais c'est pas grave, honnêtement, le staff était adorable. Le peu de gens qui ont fait l'effort de nous écouter, ils étaient très très cool. Et Monique, vu les conditions, aux frites, exactement.
Il y avait notamment deux métalleux, genre d'une soixantaine d'années, sur la pelouse à côté, qui étaient là, genre qui voyaient à peine la scène parce que la pelouse était mal barrée, et qui étaient là, ouais. Moi, je leur ferais avec grand plaisir, quoi. Ah mais bon, c'est vrai que oui, donc du coup, les conventions geek, on se dit, oui, il faut juste s'assurer que les mecs sachent qu'il y a un concert quelque part. C'est ça. Ou alors qu'ils fassent les concerts. J'ai vu ça, je ne sais plus dans quelle convention, où à un moment donné, ils donnaient une pause à tout le monde. Et bah, c'était la pause concert. Et ouais. Là, du coup, c'était rempli. Et là, tu dis, ouais, c'est cool. Oui, parce que ce n'est pas spécialement pour ça que les gens viennent. Donc, tu ne peux pas en vouloir aux gens. Non, c'est une sorte de petit tu bonus. Tu cales un concert de 30 minutes avant le concours de cosplay et un autre concert de 30 minutes après. Tu as rempli tes plus d'une heure et demie sur ta scène. T'as rentabilisé ta scène et en plus pendant ce temps-là, bah, t'as les cosplayers qui peuvent mettre un dernier coup de fil à aiguille et compagnie. Ça reste une idée pas con, hein. Mais c'est ce qu'ils avaient fait eux et ça avait vraiment retourné tout le monde parce que du coup t'avais aussi tous les cosplayers qui étaient là. Du coup, ça faisait un public hétéroclite assez marrant. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Après, nous, ça nous change entre guillemets pas grand-chose, c'est-à-dire on bouge pareil, on veut donner tout pareil et à la fin on s'est amusé pareil. Tu vois, genre c'est on se dit bon ben la prochaine fois il y aura plus de monde, c'est très bien. C'est alors, Chan vous invite à dire venez à Nantes au Art to Play. Il y a déjà plusieurs concerts là-bas. Et Alan, je vais te demander de te calmer. Non, Clément est en train de former Chouki. Il ne viole pas Punky. Punky n'est même pas avec nous ce soir, puisque Punky, dans un peu moins d'une semaine maintenant, sera sur un festival. Le festival a demandé à ce que Punky vienne. Ils nous ont piqué une photographe et Punky. On a fait bon. Bah écoute, allez, on vous envoie le package, c'est complet, et puis c'est parti. Il y a une demande de rançon derrière, comment ça se passe ? Non, même pas, non, ça s'est passé en tout bien, tout honneur. Non, en plus c'est des gens qu'on apprécie. C'est un festival, je pense que la demoiselle devra le dire dans le chat, parce que j'ai oublié, mais elle va vous donner tout le truc, le festival, où elle sera. T'es au courant que je déteste ce truc, et qu'un jour je vais te détester pour ça. Alors, je suis perdu dans ma tablette, c'est l'hécatombe, excusez-moi, les erreurs du débutant en direct. On parlait de Geek Ferries, on parlait de d'univers geek, et ça tombe bien parce que le prochain s'appelle un univers, trois petits points. Comme quoi, on avait un peu préparé l'émission. Ah, ça fait plaisir quand ça se déroule comme ça, c'est propre. Votre groupe est parfait pour créer des musiques qui font rêver, pour créer des musiques qui seraient applicables à plusieurs univers, mais on va voir ça ensemble, quels seraient vos goûts sur le coup. Du coup, pour un film dans quel film de post-apo, chacun d'entre vous, auriez-vous adoré poser l'une de vos compos ? Alors moi, ça va être hyper facile. Total Recall. Trop putain, oui. Total Recall est très exactement... alors Total Recall des années 80 et la scène dans le bar. Ah oui. Parce que j'adore cette musique, c'est juste un loop et à chaque fois je regarde la scène juste pour écouter la musique et je me dis putain j'aurais adoré. Ouais, non mais Total Recall, ouais non mais en plus ça aurait été poser ta gicle là ça aurait été bien. Moi j'avais Mad Max direct en tête pour Modern Desert. Ah ouais. Celle de ton chevalier là, Mad Max. Mais quelle meilleure invention que le mec qui envoie des flammes avec sa guitare. Tu sais qu'il a un lore. Ah ouais, il a toute une histoire, mais de fou furieux. Tu m'étonnes. Ils ont développé tout un lore autour de ce personnage. Et quand j'ai lu le lore, j'ai regardé, je fais, mais Furiosa, rangez-la. Moi, c'est lui que je veux voir en personnage principal, là, accrocher un camion avec des clams à faire de la guitare électrique avec des lance-flammes. Vas-y, envoyez-moi ce mec. Einstein va se rhabiller derrière. Parce qu'il paraît, ils ont été un peu jaloux. Hein. Bon, on va pas se le cacher. Rammstein a dit ouais, les gars, on amenait les lance-flammes, on faisait le film. Mais bon, bref. Une compo pour un film d'horreur, ça aurait été lequel ? Une compo qu'on a déjà faite, donc pour un film d'horreur. Ou que tu aimerais faire ? Si, le nouvel Halloween. La toute dernière version du Halloween est sortie avec une BO synthwave absolument incroyable. Et là, il y a Halloween Kills qui va sortir. Et ouais, clairement. Je suis un énorme fan de films d'horreur. En fait, je regarde que ça. Et j'adorerais. Par contre, du coup, Halloween, je trouve que c'était un truc qui s'était un peu perdu. Et qui commence à se réveiller, qui sort un peu de sa tombe. Quoi. Non, c'est clair. Moi, j'aurais dit Christine. La voiture ? Ouais. Oh ! Ah oui, putain, un peu moins. Peut-être un peu moins connue pour les plus jeunes dans le chat, hein, mais Christine est une voiture tueuse. Oui, et surtout à lire le bouquin. Le bouquin est incroyable. Oui. Ouais. Surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu écoutes le pitch, t'as une voiture tueuse. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça va être chiant, il y a 300 pages chez l'enfer. Oh, c'est génial. Mecs, c'est génial. C'est oui, le film d'horreur, mais non, en fait, c'est vachement bien. si vous devriez faire une chanson pour un Disney. Ah ouais, bah fallait que je te pêche un peu. Aladdin.
Aladdin, sérieux ? Aladdin, parce que pour le tout premier groupe de musique qu'on avait, le tout premier, qui s'appelait Mystria, j'avais pompé le riff principal de Nuit d'Arabie pour faire une chanson de métal. Donc Aladdin, immédiatement. En fait, c'est des excuses que tu poses, là. Là, je le confesse, c'est comme ça, c'était pompé. Désolé, les gars, ils ne le savaient pas, mais oui, c'était les Nuits d'Arabie. Ça s'appelait Cauchemar. On va t'attraper, Mickey, il va t'attraper. Sérieux, c'était de là. Ça venait de là, ouais. Oh, parce qu'il faisait partie du premier groupe aussi. Ouais. Putain, t'as piqué Aladdin, c'est moche. Oui, mais c'est très, très moche. Ici, là, je savais que j'allais prendre des choses. Alors, le dénoncez pas Disney, on en a besoin encore pendant quelques heures d'émission, s'il vous plaît. Parce que là, dans 10 secondes, il y a le SWAT et Mickey qui vient de péter les genoux. T'as surtout peur de Mickey, en vrai. Ah ouais, clairement, le SWAT à côté, c'est des Mickey. Hein, ah, c'est... Non, c'est clair. Ah, non, justement, non. Dis-moi. En Disney, un Cusco. Ah c'est... putain, oui, l'Empereur Mégalo. Oui. Ah, bah, d'ailleurs, c'est un des derniers Disney... ça fait partie des derniers Disney que j'ai vus et je trouve que la bande-son dans celui-là... Oui. Elle est épique. Oui, oui. Je veux dire, maintenant, Disney, musicalement, je suis un peu moins fan. Wow. C'est Pixar qui rattrape le flambeau pour moi. Alors, j'aurais été d'accord avec toi, mais La Reine des Neiges 2, ils ont réussi à nous dégoter Aurora, du fin fond de la Norvège. Et tu te dis, mais c'est Aurora, donc qui chante notamment, entre autres, avec Wardruna, par exemple, oui, de temps en temps. Oui. Et tu te dis, putain, les gars, quoi. Alors, elle touche trois lignes, hein. Mais vraiment, mais par contre, c'est enchanteur. Tu veux rire, mais ma voisine au premier, là, que vous allez peut-être croiser en partant, elle a un de ses petits-fils qui sort avec une des chanteuses de Vendruna, un truc d'un genre. Mais non. Le monde est trop petit. J'étais là, en fait, tu vois qu'un jour, je te demande un autographe ? Oui. Oui, mais genre tout de suite, là, tu vois, cet été, vas-y. Vous pouvez m'amener à Vardruna, s'il vous plaît. Ah ouais, non, mais non, non, parce que je pense que ce serait moi, la Reine des Neiges, mais fondue. Tu vois, je serais Olaf. Je ne pourrais pas, je suis trop fan de ce groupe. Moi aussi, putain. Mais non, la Reine des Neiges, non, pas fan. Mais par contre, il y a pas mal de Pixar qui ont relevé le niveau, et niveau musique, ouais. Qui déboîte du poney, c'est assez violent. Avant-dernière question, peut-être que j'en trouverai une en chemin. Si une de vos compos devait être prise par Netflix, vous préférez que ce soit quoi comme série ou quelle série ? Ça, c'est une vraie question, ça. Ah bah, merci, c'est-à-dire que le reste avant, c'était de la merde. Sympa. Ah, c'est une manière de parler. Non, non, c'est... en vrai... Si, je veux dire, pour le coup, je vais te dire, même si ça fait un peu bizarre comme ça, je t'aurais dit La Casa des Papels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la musique du générique de La Casa des Papels, c'est un vrai truc de Dark Synths bien vénère. Le mec, il a lâché tous les potards et c'est parti. Et tu ouais. Te dis, bah ouais, j'aurais bien aimé, quoi. J'aurais pris ma chanson la plus dark au monde, mais ouais, carrément, quoi. Je pense que même quand il a lancé le truc, l'ingé son qui était derrière, il a fait une dépression derrière. C'est ça, le fait. Tellement c'est dark. C'est vraiment, mais mec... Bah, j'aimais bien, là, I don't care at all, I'm lost. L'ingé son, il l'a attrapé, là, ouais, viens, on va boire une bière, on va parler 5 minutes. Ça va être un truc comme ça, ouais. Moi, j'aurais kiffé sur Mister Robot. Oh putain, ah, oui. Quelle bonne idée. C'est clair. Oui. Ah, ouais, de synthwave oui. Sur Mister Robot, propre. Avec cette dualité dans le personnage, je pense qu'il y a des moyens de faire des choses sympas là-dessus. Ouais, mieux, je souscris. Bon, je peux revenir sur ma réponse. J'aime bien la sienne, en fait. Vas-y, Clément. Clément, il faut allumer ton micro. Oui, alors attends, parce qu'on a échangé de place avec Chouki, celle qui est à ma place, je la prends. Donc, désolé bien, si on... En tout bien, tout honneur. On respecte ouais. Les femmes dans cette association. Pardon. Désolé si on loupe quelques questions, parce qu'on est un peu moins sur le chat, parce que du coup, on profite un peu pour que... Bah, on fera une passe juste après. Ouais. Ça te va ? Ouais, ouais, bien sûr. J'ai plus qu'une question. Là, j'ai deux questions que j'ai notées. Juste, je vous préviens, comme on a changé un peu, on profite un peu de la soirée et tout, parce que si jamais un jour je suis pas là, bah, y a personne, donc faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire aussi. Je note les questions, on en loupera peut-être, posez-les plus régulièrement, spammez-les au cas où quoi. Voilà. C'est juste ça. Spamez-les. Des trucs sales. Dans 10 secondes, c'est parti. Du coup, tu veux les poser maintenant ou je finis ma question ? Non, vas-y, finis ta question, on posera les questions. Alors, du coup, la dernière, bah, vous avez, entre guillemets, déjà répondu, mais une composition pour un jeu vidéo qui soit récent ou vieux. Vous avez déjà fait pour un vieux, mais un récent ? Bon, on va éviter de tomber dans la facilité. Moi, je te dirais le remake qu'ils sont en train de préparer de Tortue Ninja. Oh non, mais pourquoi ils font ça ? Si, mais attends, c'est les mecs qui ont fait Street of Rage 4. Vu ce qu'ils ont fait sur Street of Rage, j'attends de voir le Tortue Ninja. Mais non, vraiment. Mais t'es au courant que toute la licence Tortue Ninja, si tu veux en refaire quelque chose, c'est de la nécrophilie. Enfin, ah oui, on mais en oui. Est à ce stade, ils ont tellement tué, mais alors tué les Tortue Ninja de base, les vrais qui étaient badass et violentes. C'est de la, pas, peut-être pas de la nécrophilie, mais de la nécromancie, ça c'est sûr. Hein, je... Ouais, mais tu vois, il y a moyen de faire un truc, à mon avis. Ils vont nous ressusciter de la bonne vieille 2D, moyen 3D. Enfin, ah, si, j'ai confiance. Ouais, à contacter du coup, peut-être jeuxvideo.com, les gars. Pourquoi jeux vidéo ?
Oui. Mais si, si, c'était le, c'était pas le site à contacter pour être mis en relation avec les, avec les jeux vidéo. Bah sinon, tu sais, Dotemu, on le voit sur LinkedIn, hein, les mecs, oui, les ouais, mecs sont là aussi. Hein. Mais oui, c'est vrai, Tortue Ninja, j'ai bien hâte. Tu sais quoi, je vais le faire juste après l'émission, bah, je vais leur envoyer un petit message. Bonjour. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. On existe, 2MP3. C'est ça. Vous avez déjà été contacté pour Street of Rage 4. C'est ça. Vous n'avez pas répondu. Hashtag bip. Mais vérifiez que je ne suis pas dans vos spams. Bisous. C'est ça. En jeu récent, ça peut être un remix, tu sais, ça peut être un remix d'un vieux jeu aussi. Hein. Oui, oui. Mais si tu me sors Street of Rage, bon, c'est un peu triché, quoi. Là, je te pète un genou. Oui, oui, oui. Attention à tes genoux, quoi. Ça paraît que c'est utile. C'est comme les yeux, moi, on me l'avait dit, j'y ai pas cru. Non, puis on va éviter de tomber dans les facilités avec Cyberpunk ou. De la synthwave dans Cyberpunk, oh, pff, ouais non, je suis pas sûr. Hein. Si c'est rien que pour collaborer avec, avec Refuse, oh là là, mon dieu. Oui. Oh là là. Bah c'est une bonne question. Petit poney, vraiment ? Putain, la vache. Le remix de mon petit poney. Truc fun en plus. Ah, y avait pas un jeu mobile avec des licornes qui tiraient des lasers ? Unicorn Attack ? J'adorerais. Mais oui, c'était Unicorn Attack, je sais plus quoi. Benzaï, on avait même fait une pub. Là, tu cales tes sons, ça passe direct. Ah bah j'avoue, oui. T'attends le Unicorn Attack 3 et c'est parti. Parce que je crois qu'il y en a déjà deux. Oui, je suis un peu au courant. Non, sur Dead by Daylight. Oh oui. Ouais carrément. Ouais, surtout oui, qu'en plus, ils sont dans le, bien dans le délire rétro. Il y a des passages bien rétro, ça passera bien. Ou alors ouais, tu... passages rétro. Ou alors même tu... sur... là, ils ont sorti un tueur qui était plus axé J-pop, K-pop. Ah ouais très néon et... Michael Jackson. Non. Yes, bad. Tous les gamins qui partent en courant, c'est sale. Non, pardon. T'as pas le droit de faire ça. Mais, je sais. Mais oui, je pense que y a des choses sympas à faire là-dessus aussi. Ouais. Oui, effectivement, Day by Daylight, comme en plus tu peux caler un peu ce que tu veux. Moi, je t'aurais dit Far Cry Blood Dragon. Parce qu'on est dans la synthwave, on est dans les tubes néons. Oui. Ou alors quel est ton titre Far Cry. Ou alors quel est ton titre au moment où tu crames un champ dans un quelconque Far Cry. Ouais. Parce que c'est toujours le titre que tout le monde va remarquer. Dans le 3, je sais plus ce que c'était. Dans le 4, c'était Skrillex. Et là, dans le 6, ils nous ont calé un Bella Ciao. Un Bella Ciao. Mais genre le Bella Ciao à l'ancienne. Genre d'accord, pas celui de Maître Gims que l'Italie a porté plainte. Non, vraiment, c'est le vrai Bella Ciao qui est une vraie chanson révolutionnaire à la base. C'est magnifique. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, j'ai une belle famille italienne. Hein, quand ils ont entendu Maître Gims, je les ai vus sortir les couteaux. J'ai fait, ok, moi je me casse. non, mais c'est pas ma musique. Grand-papy. Désolé, vieux, mais là tu te démerdes. Hein, t'es tout seul. Hein, moi, je tente pas ce sport extrême. Mais ouais, te taper juste ce passage, même dans un Far Cry, ça passerait. Hein. Ouais, non, clairement. Du coup, voilà, on va pouvoir remonter au fil rouge. Est-ce que le chat nous a posé des questions, Clément Chouki ? Oui. On a eu des questions. Alors, il y avait une question de Shan, je crois. Je vais la déformer. Ah non, si, je l'ai sous les yeux. Alors, la question, tu vas... Là. Oui, la question. pardon. Respecte tes auditeurs. Attention à ce qu'on dit. Déjà que ton micro est beaucoup trop fort pour nous. Ah, pardon. J'ai pas de retour, donc je sais pas trop comment je parle. Ah, c'est bon, celle-là. Non, c'est bon. Bah, je m'éloigne. Touche pas, t'inquiète. C'est bon, ça, on va gérer à la distance. Alors, Shan qui vous demande, j'ai une question, vu que vous êtes geek. Aimez-vous les animés et si oui, quel est votre préféré ? Alors moi, j'ai poncé City Hunter. Obligé. je t'ai fait le marathon. C'est-à-dire que tous les OAV suivi des cours qu'il y a eu. Hein, c'est des épisodes qui étaient un peu plus longs de mémoire. Puis le film. Ouais, évidemment. Philippe Lachaud. Plus le making-of derrière. Parce que c'était magique. Et sinon, oui, OAV, très content que Netflix nous propose pas mal de choses. Il y a des trucs. Hein. J'ai des nuits blanches à cause d'eux, mais oui. Bah, moi, en fait, je suis pas tant un spectateur d'animé que ça, mais par contre, il y en avait un que j'avais poncé à l'époque, c'était Samurai Champloo. Mais vraiment, genre, j'avais adoré cette série. Il y avait un truc de malade dedans, genre, ça défonçait tout. T'avais un trip. Alors, c'était marrant parce que Samurai Champloo. Si je me souviens bien, c'était celui où tu avais un samouraï qui était très à l'ancienne et t'en as un autre qui était très hip-hop. Exactement. Et ouais. Du coup, ils arrivaient à te caler de la chanson hip-hop ou même du hip-hop dessus. Ouais. Même du trip-hop sur des combats de samouraï qui étaient mais orchestrés à la magie. Et celui-là, je l'ai défoncé. C'était aussi. Fabuleux. Et ils auraient pu te caler de la synthwave dedans, ça passait. Ah, complètement. Mais clairement. Il y avait un truc. Il y avait vraiment un truc.
Il y a juste la fin, je crois, qui m'a un peu déçu. C'est pas la fin auquel je m'attendais, mais C'est surtout très court, quoi. C'était surtout très très court, c'est dommage, quoi. Enfin, ouais. En même temps, c'est dommage, je sais pas. C'est ça où nous pondre 20 saisons et au bout de la 10e, tu fais, bon, c'est chiant, les gars, arrêtez, quoi. Ah, il y a Yuzu qui nous dit, j'écoute encore les morceaux de Samurai Champloo. Et ouais. Mais ouais, la bande-annonce était folle. Dans le même style, il y a pas si longtemps, comment elle s'appelle ? C'est un manga avec une petite panda qui est comptable la journée et qui chante du métal. Oui, Agretsuko. Ouais. Alors ça, pour le coup, oui, je l'ai poncé, merci Netflix. Agretsuko, incroyable. Mais Agretsuko qui fait de la synthwave, ça passe aussi ? Bah non, parce qu'elle, c'est du death metal. Elle fait du death metal, quoi. Ah, je suis sûr que ça passe. elle a un bassiste qui peut faire de la synthwave derrière. Pareil, Agretsuko, le monde du métal qui rentre en mode bourrin as fuck dans les séries, que j'avais pas du tout compris. Je l'ai même pas vu passer, cette série. C'est vraiment un pote qui m'a dit, mec, je t'envoie ça, tu vas kiffer. Je regarde juste le trailer, je fais ok, c'est où ? Je télécharge ça où ? Vas-y, c'est parti. Et c'est pareil, j'ai poncé les deux saisons en une nuit, quasiment. Bah, carrément. Mais moi, ça me fait du bien. Et je pense qu'un jour, j'essaierai d'inviter des gens qui sont un peu plus calés que nous là-dessus. Mais je suis de plus en plus heureux de voir le monde du métal. On avait déjà envahi le cinéma. Mais on envahit de plus en plus le monde des séries, le monde des jeux vidéo, et ça fait un bien fou. Et ouais. Quand t'entends un bon gros morceau bien métal dans ton jeu, que t'es en train de faire une course poursuite, ça motive. Oui, écoutez Maximum The Hormone sur Death Note, sur des choses, c'est. Du point de vue jeux vidéo, c'est rester. Moi, je reste sur Doom Eternal parce que j'ai pas envie de le lâcher à cause de la musique, quoi. Ah putain. J'ai pas envie de le lâcher. En même temps, Mick Gordon, vu la nervosité du jeu, le mec a plutôt une liberté de composition. Il peut se faire plaisir. Mais il est dingo, il avait fait toute une conférence où il expliquait son son qui était dingo. Il expliquait que sa guitare, il l'avait samplée avec la chenso du premier Doom. Et c'est pour ça qu'elle est aussi sale. Et tu te dis, oh, putain mec, t'es un génie. T'es un peu bizarre, mais t'es un génie. Et t'es un vrai génie. Le jour où on te comprendra dans quelques années, tout le monde te traitera de génie. En attendant, t'es un peu chelou quand même. Mais effectivement, il y a Doom, c'est pareil. Moi j'ai commencé avec Doom au tout début. Et t'avais déjà des morceaux bien, bien vénères, c'était cool. Est-ce qu'on a un peu digressé, et ça fait beaucoup, du coup. Oui, alors attends, parce que du coup, on a... Attends, faut que j'allais faire un jeu de mots de merde, tu m'as coupé. Je pense que je suis bien. Attends, faut que je regarde le vumette à distance. J'allais dire, on a digressé, il faudrait revenir au sein doux. Hein, tu vois, genre... Ah non, c'est sale. Alors, on a deux commentaires, après on va se faire une petite pause musicale, donc je vais vous demander de préparer dans votre tête deux chansons qu'on va passer, et enfin me les dire, parce qu'il faut que je les écrive. Enfin, j'écrive pas le morceau en entier, hein, mais que j'écrive le nom du morceau sur le live. Faut que vous fassiez une chanson, mon petit poney. On nous propose le générique des Tortues Ninja qui nous dit c'est bien métal. Oui, j'avoue. Oui. À l'époque des dessins animés, même Batman était des bien, bien, bien vénères. Mais grave. Mais Spider-Man à l'époque aussi. Spider-Man, Avengers, Wolverine et ses copains, les X-Men, c'était déjà bien, bien rock et métal. Il y avait de la guitare. Hein. Et c'est pour ça que j'ai pas compris qu'après c'est disparu. Tu vois, Beyblade, non. J'ai pas compris. Tu vois. Alors, on va juste répondre à une petite question. Déjà, première question, c'est la mienne. Quel morceau vous voulez passer juste après ? Voilà. Mon petit panel. Bagarre. Tout à fait. Du coup, Violent Storm. Non, j'ai cru que ça s'appelait vraiment Bagarre. J'ai dit, il y a une dédicace à Johnny Cadillac. C'est notre code. C'est notre chanson Wall of Death, en fait. D'accord. Et du coup, la deuxième. En continuant sur la bagarre, on dira No Breaks, qui vient du premier EP. Pour changer un peu. Et donc, du coup, qui est basé sur le jeu vidéo, celui-là. Pas sur le jeu vidéo, qui est plus en fait on avait regardé le film Ready Player One et surtout en fait il y avait c'est un énorme hommage au jeu vidéo, on est bien d'accord, un peu trop poussé des fois, oui, parfois, ouais, mais un peu c'est vous aimez ça, hein, les gars, ça se voit pas le clin d'œil, mais je l'ai vachement poussé. Non, mais c'est surtout qu'en fait on a c'est ce genre de riff que avant même de l'avoir composé, tu le sifflotes dans ta douche et tu dis bah je vais le poser, il va falloir que ça sorte à un moment donné, quoi. Et je crois que ça a été composé en deux jours, trois jours. Celle-là, oui. Tellement rapidement. Deux jours. Deux jours ont été terminés. Écoute. Et du coup, Clément, avant ces deux morceaux, tu avais une dernière question. Oui, on a une question du chat. Du chat qui vous demande. Attendez, dès qu'il dit le mot de chat, je me rappelle de Dilu. Tu vois, c'est de Dilu. Une question de Dilu. Donc. On a trop de. Attends, parce qu'il faut que je relise, je ne suis pas habitué à ce format-là. Si, on nous demande ce que vous préférez, les livres ou les films. Oh, bonne question. Sans aucune hésitation, les films. Je suis un garçon. Non, pardon. Je suis un très mauvais lecteur, c'est-à-dire que en fait, j'aime vraiment tous les styles de bouquins, mais malheureusement, en fait, au bout de trois pages, en fait, je m'endors, donc du coup, je finis les bouquins. Genre,
en très longtemps. C'est tu l'enfer. Tu finis avec un bleu sur la gueule. Ah, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et il faut vraiment qu'un bouquin me tienne pour que je le dévore. Et pour l'instant, le seul qui a réussi à faire ça, c'est Stephen King. Par contre, les films, pour le coup, ayant fait des études de cinéma, bossant là-dedans, en fait, genre, je peux en mater. Mais... Tu le regardes jusqu'au bout, mais en le critiquant s'il est naze. Voilà. Voilà, jusqu'au bout du générique. Je connais le nom du best boy, t'es au milieu, genre, dis, ah, mais je l'ai vu dans tel film, celui-là. Ça fait 3 ans, à cause de mes yeux, que j'ai pas pu lire un bouquin. Et ma copine me déteste parce que dès qu'un film est naze ou qu'il y a un faux raccord, je les chope. Alors maintenant, il faut que je sois à 1 mètre de la télé et je pourris tous ces films. Dès qu'il y a une incohérence, et ben non, ça passe pas. C'est terrible. Moi, ces films aussi, j'adore relire, mais je comment dire, quand je lis dans ma tête, j'ai une voix qui lit le texte. Et t'aimes pas cette voix. Non, mais j'ai un narrateur qui lit l'histoire du livre. Mais du coup, je lis très lentement. Et c'est l'enfer. je peux comprendre. Tu perds le rythme, en fait. Bonjour, virgule. Non, pas la ponctuation, on avait dit non. Page 39. Ah, oh, merde. Non, moi, j'ai la même chose que toi. C'est vrai que quand je bouquine, j'ai ce narrateur. Mais par contre, ayant bouffé des tas et des tas de bouquins plus tout petits, j'avais une vitesse de lecture qui est affolante. Et même les profs, des fois, me disaient « Mais non, mais t'as pas lu le livre ». Et le mec, tu lui recites son livre page par page. Il fait « Ah, pardon. » J'aime ça depuis tout petit. Moi, c'est la lecture. Avant, j'étais un gamin qui foutait le bordel, foutait le feu à la classe, au hamster et à la prof, tu vois. Et la lecture, c'est le truc qui m'a calmé, parce qu'un jour, ma prof m'a dit « Si t'es sage aujourd'hui, je te prête un bouquin, tu peux le ramener à la maison. » Et elle a négocié toute une bibliothèque tout au long de l'année, et c'est comme ça que j'ai appris à bouquiner. Et j'ai, pareil, un truc que vous pourriez caler in Synthwave et qui revient à la mode, les livres dont vous êtes le héros, putain, à fond. Qui oui, petit à petit deviennent de plus en plus connectés avec un jeu vidéo. Ça, je les ai tous bouffés en trichant les combats, mais voilà. Ouais, mais ça, oui, à un moment donné, on trichait les combats. C'était obligé, sinon tu pouvais pas finir le jeu. On se souvient d'un qui était horrible, s'appelait La créature venue du chaos. Que... Non, laisse tomber. J'ai pas pu. Du coup, on va se balancer ces deux titres. Est-ce que vous êtes prêts dans la régie? En plus, c'est Chouki qui fait le lancement ce soir. C'est beau. On est en train de former les stagiaires, c'est parfait. Donc si ça rate, c'est vraiment de la faute à Chouki et vous pouvez l'incendier dans le chat ce soir. C'est pas gentil. Oui, mais on est sur Fréquence Métal. On n'est pas non plus trop gentil. On n'est pas des gentils. Non, 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 mais c'est important qu'on forme les gens autour de nous. Et d'ailleurs, moi, je tiens, le temps qu'elle fasse le lancement, je tiens à dire que si un jour, une demoiselle dans le 91 veut se tenter à l'animation et devenir co-animatrice, ce serait avec bonheur. J'aimerais bien partager ce rôle pour de vrai. Parce qu'il y a encore plein de choses à débunker sur le métal et les femmes et tous ces trucs à la con qui traînent et qui m'énervent. Ce sera avec un putain de bonheur de faire ça. Ce que tu dis résonne parfaitement, étant donné que mon Oudiz, c'est Mirkour. Baby. Et que Mirkour, dans le black metal, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Oui, bien clairement. Dommage. C'est parti, Chouki, vas-y, balance le son. Moi, je me tais et profitez.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Métal. Ça, c'était la petite session bagarre. Maintenant, on va avoir une petite session bisous parce que deux choses. Déjà, j'ai vu Projo T-Rock se connecter. Et mon Projo, bah, il va falloir que tu regardes cette rediff parce qu'on a parlé de ça en début d'émission. Donc, il va falloir que tu regardes. On t'a fait des compliments. Je t'avais promis d'en parler dès le début que tu l'as créé, cette compile. C'est fait. Je te laisserai aller regarder ça et puis tu m'en diras des nouvelles. La deuxième session bisous, c'est bien sûr c'est que cette émission est une libre antenne et on laisse notre parole au chat. Et je crois que là, on a eu plusieurs questions. Donc, on va entendre la voix de Chouki ou Clément poser vos questions. On va tâcher d'y répondre le plus correctement possible. Alors, on avait une question de Lacrisso qui demandait sur le thème métal jeu vidéo, vous avez pensé quoi du mix Trivium The Elder Scrolls avec la musique de The Phalanx ? Perso, une tuerie. Alors perso, malheureusement, je ne l'ai pas écouté. Moi non plus. Mais je suis un énorme fan de Trivium, donc du coup, je vais aller écouter ça direct. Je suis navré, parce qu'on vient de dire qu'il fallait répondre de manière correcte aux réponses. Ah bah, là, je suis comme un con, là. Je peux y répondre parce que j'ai poncé ce jeu... Je crois qu'un jour, pour rigoler, je m'étais foutu de la gueule de mon petit frère, tu sais, parce qu'on avait chacun de l'autre. Et j'étais en mode, hey mec, j'ai 600 heures de jeu. Mon frère s'entend, j'en ai 1500. Ah, quand même, ça commence à faire beaucoup pour un jeu. Mais oui, celui-là, je l'ai pas repéré tout de suite que c'était du Trivium. Il a fallu qu'il passe plusieurs fois dans mes oreilles. Mais à un moment donné, ça a tiqué en mode, putain, il y a quand même quelque chose que je reconnais, quoi. Et bah, personnellement, je l'ai kiffé et c'était une de mes musiques préférées. Elles sont toutes très bien dans ce jeu, mais celle-là, franchement, ouais, elle claque, vraiment elle claque. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le fait qu'elle ait réussi celle-là qu'on a pu voir après Assassin's Creed Valhalla avec cet artiste très connu du groupe Técconnu dont j'ai perdu le nom, mais qui est venu faire toutes les musiques viking qui déboîte du poney. Et tu dis encore une fois, le monde du métal grappille encore des places, et c'est une très bonne nouvelle. Ah bah surtout dans le jeu vidéo, là, j'ai vu qu'il y avait il y a Elung qui a fait. Enfin, leur musique a été prise sur la bande-annonce du prochain Hellblade cool. 2. T'as, si je dis pas de bêtises, un des mecs de Combi Christ justement qui avait fait la musique du premier Hellblade pour le coup. Enfin, c'est un. Nous sommes partout, comme on dit. Oui, oui, bah, ça, j'en ai eu la surprise ce matin. Un des médecins qui m'a consulté l'œil. Il me regarde, il me fait, vous êtes métalleux, je fais, c'est le t-shirt qui vous dit ça? Il me fait, non, vous êtes habillé, mais pas comme un danseur de zouk. J'étais mort de rien. Et du coup, je lui ai filé ma carte. Donc, ça se trouve, il est là ce soir en train de regarder le live. Si tu es là, très cher médecin, je te remercie. Tes examens n'étaient pas douloureux et c'est cool pour moi. Merci. Bien, vous n'auriez pas dû dire ça, parce que je le dirai à mon prof de Zumba, justement, qui ne sera pas d'accord. Deuxième question, dis-moi. Alors, ensuite, c'est Alan qui nous demande pourquoi ne pas faire des AMV de manga qui cartonnent pas mal sur YouTube. Eh ben pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Alors après, j'avoue que nous, on fait partie de la génération où on a vu émerger Evanescence et tous les AMV d'Evanescence, donc on a un côté traumatisé par pour ça. Pour toi, petit cœur parti trop tôt. Mais en vrai, si, en vrai, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je reste convaincu que pour promouvoir sa musique, avoir justement des images en fait, qui ne sont pas les tiennes, mais qui collent à ta musique, c'est une bonne idée. Parce que mine de rien, en fait, on parlait de comment promouvoir des jeunes groupes et tout, ben, souvent... Pour tromper l'algo de YouTube, à un moment donné, il faut lui dire, tu sais quoi, c'est pas mes images, donc bah, pas de monétisation, mais par contre, c'est ma musique. Donc écoute-la et tu vas peut-être kiffer. En fait. Il y a un groupe qui l'a très bien compris, qu'on aime bien dans la maison, il s'appelle OnLap. Oui, tout à fait, OnLap. Qui l'a très bien compris, qui le fait très proprement, et bah, ça a super bien marché pour eux, et c'est des mecs adorables, ils nous ont rendu quelques coups de main. On les salue ce soir, j'espère qu'un jour, on arrivera tous à vous réunir ici. Parce que ça va être un sacré bordel cette soirée. C'est qui avait fait la première partie de Faraway, alors Ellie, c'est ça? Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont grimpé, ils ont tous 15 000 projets à côté, ils ont tous réussi. Il y en a deux d'entre eux, ils sont devenus papa entre temps et ça marche. Enfin, ces mecs réussissent tout ce qu'ils veulent. C'est assez affolant. Dernière question, enfin, je crois que c'était la dernière. Chouki, dis-moi si je me trompe. Alors attends, j'en ai une autre et j'en ai encore d'autres derrière. Répétez. Alors on a Coco qui vous donne du travail. Ah. Bien joué. Donc, ouais, et demande si vous avez parlé des inspirations de cet album et du pourquoi ce son un peu Far West en plus de la synthé et du métal. Non, on l'a pas dit, effectivement. C'est une soirée tequila. Non, pas du tout. Ce cliché du métal et l'alcool, c'est totalement faux. Alors dis-nous. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, c'est vrai. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire d'un rué vers l'or, d'un groupe
pèlerin, on va dire ça. Exactement, ceux qui cherchent à faire fortune dans l'Ouest américain et à qui on promet un putain de raccourci, parce qu'en fait c'était compliqué à cette époque-là de traverser les rocheuses. Tu partais au printemps après la fête des neiges, la fonte. Après la fête des mers. Allez, salut maman, maintenant j'y vais. Allez. On a été gentils, maintenant on pense au pognon. Il fallait y arriver avant l'arrivée de la neige suivante. Et on leur a promis un super raccourci. Et ça a été Lost in La Mancha, le truc. C'est-à-dire que galère sur galère, ils se trompaient de chemin. Ils se sont retrouvés coincés dans la montagne, à quelques encolures seulement du point d'arrivée. Et ils ont fini par s'entre-dévorer avec des équipes de recherche qui partaient du point d'arrivée pour venir les chercher, puis qui se sont retrouvés aussi coincés par la neige. C'était vraiment l'épisode catastrophe. Et du coup on a cette vibe western. J'ai une envie de barbecue, c'est normal. Bon appétit. Mais du coup, ça raconte une histoire terrible. Ouais. Et tu vois, tu nous demandais la dernière fois pourquoi Alabama Cyborg. Et ben, en fait, la plupart des chansons à la base étaient composées au banjo, pour le coup. Ouais. Typique de l'Alabama. Exactement. Ça, et, le bowling et taper sa femme, je crois. Mais enfin, bon, je on a juste gardé le banjo, pour le coup. Et donc, en fait, on a commencé à faire des mélanges bizarres entre banjo et grosses basses très électro. Ça nous a donné un résultat hyper creepy, pour le coup. Très sympa, mais hyper creepy. Et on s'est dit, tiens, on va continuer dans cette voie-là. Et il se trouve que la personne qui fait nos costumes, qui s'appelle Émilie, qu'on salue ici, nous a parlé de cette histoire-là en nous disant, lisez ça, c'est un truc, une légende de l'Ouest qui est absolument flippante. Et c'est vrai que ces mecs-là n'ont fait que malchance sans malchance. Mais malchance sans malchance, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait un mec qui s'appelait Murphy dedans? Ça expliquerait la loi de Murphy, ça expliquerait quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on te parlait de ces titres qu'on a, et à côté, entre parenthèses, en fait, ça, petit à petit, nos titres racontent les étapes de ces gars-là, en fait. Ah, mais de toute façon, La Ruée vers l'or, c'est le grand rêve américain, ça a même fait le dream américain où tu pars de rien, tu es riche. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y en a, pour les milliers qui sont partis, il n'y en a pas beaucoup qui ont fondé des villes. Hein, non, il y a un sacré paquet qui sont morts, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est monde, ces gens-là, alors, pouvaient pas saisir la subtilité du jeu de mots pour le coup, mais quand ils sont partis, le mec qui les menait s'appelait Donner. Donc, quand tu vois derrière le cannibalisme, tu te dis, c'est un jeu de mots d'un goût assez douteux, mais bon, voilà quoi. Le don d'organes à l'ancienne, hein, on en parle. La sauce barbecue est née comme ça, ce qui paraît aussi. Non, c'est dégueulasse. Mais effectivement, c'est ce rêve de Grand Ouest, de ruée vers l'or, ça s'est fait avec un paquet de gens malades parce que. Ils ne pouvaient pas se soigner sur place. Ça s'est fait avec des villes qui se sont fait des fois raser. des bastons de tripots. Enfin, faut pas rêver, mais tout le cinéma autour de ça n'a pas non plus dépeint. C'est mignon, généralement, hein, parce qu'il y a toujours le shérif qui va sauver les bandits. Mais dans le fond, derrière tout ça, il y a des vraies histoires. Et ça n'a pas été joli, quoi. Franchement, c'est pas... Non, ça ne fait pas rêver, quoi. C'est clair et net. Est-ce que vous aviez... Ah, non. Qu'est-ce que c'est que cette trompette? Alors, je vais vous demander de réfléchir. Travailler. Ah non, sinon, je dis à Coco de re-offrir 10 abonnements. Non, ça, c'était moche que je viens de faire. Désolé, Coco. Je vais vous demander de réfléchir. On a une petite habitude chez Fréquence Métal, cette saison 4, c'est la Dildouille. La Dildouille, c'est une petite statue que vous pourrez peut-être gagner. Il va falloir d'ailleurs qu'on organise le vote pour les 4 derniers. Alors, justement, à propos de ça, normalement, alors je vais récupérer les vidéos ce soir qu'on a stockées. Et normalement, dans la semaine, il devrait y avoir le vote qui devrait apparaître sur les réseaux. Parfait. Voilà, donc le but, c'est que vous alliez voter pour la meilleure Dildouille préférée du mois. Et. Le groupe qui gagnera cette Dildouille, quand on pourra fabriquer ces petites statuettes, on lui offrira cette statuette. Du coup, ça sera la numéro 1 de cette série de Dildouilles. Super. Elles seront notées et numérotées. Et j'espère un jour les voir apparaître dans des reportages. Voici notre studio, c'est quoi ce truc dégueulasse? C'est la Dildouille. Oh les cons. Juste le oh les cons. Du coup, la Dildouille sera un petit socle avec une petite statuette en forme de ruée vers l'or, qui finira en petits doigts comme ça, mignon, parce que la musique, c'est bien, c'est joli, mais comme la ruée vers l'or, il y a aussi des petites entourloupes, des petites arnaques quand t'es dans la scène émergente, ce genre de trucs qu'on essaie de combattre. Mais du coup, je vous demandais de réfléchir et de nous raconter de la plus belle douille que vous avez reçue, puisque vous allez jouer pour la douille numéro 2. Pour le coup, en fait, j'en avais en tête,
Mais on est un peu potassé en venant ici et on s'est dit avec François, bah tiens, on va essayer de voir c'est quoi la pire des merdes. Attends, des invités qui préparent leur émission. Oh, c'est mignon. On a potassé, on a fait notre travail, on a mis le plus belles lunettes et tout, et c'est parti. Ah, mais c'est un compliment. Eh, ça paraît con, mais quand un invité me dit déjà, on a vu vos émissions avant et potassé, pour moi, c'est un putain de compliment. Merci. Et du coup, en fait, je vais laisser à François le plaisir parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il m'a rappelé vraiment la plus belle merde qu'on ait eue. Il me l'a rappelé, je m'en souvenais plus du tout. J'avais fait barrière, blocage. Maintenant, quand j'en parle, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sous la douche et de pleurer. Attention. Le truc, c'est que c'est pas vraiment une douille dans le sens où on nous a enflé, quoi. Mais c'est une belle galère qu'on a eue en plein live. Ça reste une douille chez nous. Hein. Si ça t'a emmerdé, c'est une douille. Hein. Mais c'était très drôle. enfin, maintenant ça te fait maintenant, rire. Ça fait rire. Ouais. Sur le moment, on transpire un peu. Mais c'était plein concert. C'était au Délire 2.0. Donc c'était dans l'Essonne. Ouais, c'était dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Je serais chez nous en plus. Non, c'est ça. Mais non. Où en fait, plein concert. Ça se passe plutôt bien. Il y a un peu de monde. C'est très cool. Et puis la guitare de Max qui nous lâche. Genre et lâché quoi. Mais lâché, plus de son, il n'y a plus rien qui sort. Et Max qui se retrouve à nous faire de l'air guitare, littéralement. On toute la fin MP3. Du morceau. Et c'était, là, je te parle du milieu du concert, c'était pas la fin quoi. Donc du coup, à un moment donné, j'ai mis la guitare derrière moi et je me suis mis à littéralement faire le macaque sur scène pour motiver les foules. Et c'était. En fait, en vrai, je crois que c'était super drôle. Mais c'était super drôle, ça m'a fait vraiment marrer et je garde pas ça comme genre le pire concert de ma vie. Mais putain, c'est un grand moment de solitude. Et quoi. Tu te transformes en danseur K-pop. Quoi. Exactement, voilà. Oh la vache. Exactement. Et toi, t'étais dans quel état à ce moment-là? Je fais ben. Oui, parce que je le vois, il me regarde. Et puis. Je vois qu'il n'y a plus rien qui sort. Je fais bon, ben. Puis je vois qu'il continue malgré tout. Donc nous, c'est notre truc. De toute façon, c'est quand on joue, on donne ce qu'on a. Donc on continue. Tu t'es pas dit prochain son, je lance le MP3 fini. Là où il a ses solos de guitare, on verra si ça passe. Non, disons que j'ai des pistes. C'est pas des pistes de backup au cas où il se passe un souci, mais j'ai des pistes qui servent à doubler la guitare que j'ai remonté un petit peu pour que ça fasse un peu un peu illusion. En même temps, vous êtes que deux, donc au bout d'un moment, tu dois t'es un peu obligé de tricher avec des pas tricher, mais t'es obligé d'inclure les pistes dans le show que vous allez faire. Les renforts, surtout. À l'époque, on y croyait, on pensait que enregistrer la guitare, ça allait suffire en renfort. Là, maintenant, François a fait un synthé. Qui double la guitare, qui est pour le coup vachement mieux en fait. Mais avant, on se disait ça allait passer. Ça donne une couleur, mais ça remplace pas la guitare. On a fait le café quand même, hein, parce qu'il fallait. Pas le choix. J'ai bien aimé, c'est quand tu as dit il m'a regardé. Parce que moi, Clément me jette ses regards, un peu moins maintenant qu'on a le plateau télé, parce que ça va, on a aussi de la bouteille. Mais je me souviens des premières émissions où tu as le regard de Clément qui te fait non. Non, non, ne fais pas de lancement, là, c'est pas bon. Et puis après, il te fait un nombre avec les doigts, c'est-à-dire à peu près le nombre de minutes qu'il faut lui donner. Tu vois, tu fais 20 minutes. Et on repart sur un questionnaire, mes loulous. Mais voilà, c'est des choses que tu peux voir quand tu as une cohésion avec ton groupe. C'est ça. Mais eux aussi, en vrai, ça se répète. C'est-à-dire que nous, on répète aussi le fait de faire des pains en live. D'accord. C'est-à-dire quand on est en répète, genre, parfois, ça nous arrive de faire des pains, on se dit, tu vois, si on fait un pain, on va le doubler deux fois. Pour que ça ait l'impression d'être un riff. Si on se plante, on ne se regarde pas, absolument pas. C'est pour qu'on évite d'avoir ce moment. Genre, oui, il fait croire que tout est naturel et maîtrisé. Exactement. Et en fait, en vrai, c'est vrai que on a deux yeux, on a quatre yeux, scrutateurs, donc dont une est dans le chat, qui nous observe, fait des gestes et fait. Ça, c'est bon, on n'a rien vu. Elle a un système de drapeau pour vous donner des ordres. Exactement. Double le pain tout de suite. Tu vois César qui faisait les plus hauts, plus bas. C'est ça. Pareil, sauf que celle qui t'attend le clash derrière. Ouais. Ah oh, merde. Non, au contraire, je la salue, elle nous fait un boulot extraordinaire. Et sans elle, nous sommes rien. Mourir. Non, mais oui, après, c'est vrai que c'est de l'impro. On en a connu pas mal, des couilles techniques. À l'époque, on avait même lancé ce single chez nous. C'était Fréquence Métal, on n'est pas doué, mais on a des idées. Ça nous résumait très bien à l'époque. Maintenant, j'espère qu'on a pris un peu de la bouteille, que c'est un peu plus bon pour regarder. Du coup, très belle douille. Putain, à moitié de concert avec de la guitare unique qui a planté. Bon, et toi qui te transformes en chanteur de K-pop, en danseur de K-pop, c'est beau. Ah, on a une question dans les chats. Fais-moi rêver. Alors oui, j'ai une question qui en plus va très bien avec votre dildouille parce que ça parle de vos concerts.
Donc je trouve que c'est pas mal et je vais renchérir dessus. La question, c'était d'Alan qui demandait si vous aviez un style très défini avec un cosplay ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'était vraiment juste la musique qui parlait lors de vos concerts. Et moi, je vais surenchérir en demandant si vous avez bientôt des dates pour pouvoir venir vous voir en concert. Bon, c'est beau, elle me pique mon boulot, mais c'est magnifique. C'est pas désolé. Non, mais c'est génial en vrai. Alors oui, on a un univers, on a des costumes, on a une costumière qui nous suit, qui nous fait, c'est notre combien, troisième costume, deuxième. Tu aurais dû venir ce troisième, soir, normalement. Troisième, oui. Ouais. On espère que tout va bien pour elle. Donc, on a les costumes qui collent, du coup, à l'univers de l'album qu'on joue. On a petite décoration de scène. On a bossé un peu la scène. Alors, c'est léger. Hein. C'est une bâche de kakémono, de roll-up. C'est toujours mais mieux que rien et, deux, et que deux artistes qui restent droits comme des piquets. Oui, oui. Hein, voilà, on a une petite lumière. On va peut-être bosser ça aussi. Donc non, on s'attache à quand même proposer un show. Du coup, vous êtes déguisé en cow-boy. Ouais, en fait, l'idée, c'était plus le. On a regardé des références du côté de genre du livre d'Eli, des trucs comme ça, tout ce qui était post-apo, parce que c'est notre univers. Et en fait, c'est drôle parce que là, à notre release party, on a un pote qui est venu nous voir et qui a dit: les gars, quand j'ai vu les photos au début, j'ai failli faire un commentaire cynique parce que je croyais que c'était une blague. Il dit: mais qu'est-ce que c'est que ces clochards, en fait? Post-apo. Et en gros, voilà. Fallout, mais. Il est allé voir, il a dit, parce qu'il ne connaissait pas l'album, il a fait: ouais, si, ça marche, en fait. C'est vraiment, vraiment le truc. Après, niveau scénographie, nous, ce qu'on fait, c'est on vient du métal, de base, donc on bouge comme des métalleux. C'est-à-dire qu'à la fin, si on n'a pas, si on n'a pas mouillé le t-shirt, c'est qu'il y a un problème. Qui va, y a un problème quoi. Donc, il faut se dévisser la tête, il faut y aller, c'est du headbang. Et surtout, je ne vais pas dire par chanson, mais sur certaines chansons, on se trouve une choré qu'on fait. Ouais, on a important. Une chanson qui s'appelle Wind Racing, où on fait une espèce de course sur place, débile. Mais ça nous fait marrer, et voilà. C'est... Mais c'est énorme, en vrai, c'est super. J'aime bien le terme clodo post-apo. Moi, j'ai toujours en tête, tu sais, Fallout, c'est le clodo le plus connu. T'sais, parce qu'en vrai, dans ce jeu, t'as jamais de baraque, en vrai. C'est vraiment le clodo le plus connu du monde. Mais oui, post-apo, c'est... Enfin, tu peux tellement l'adapter. Tu peux tellement faire des costumes de fous furieux, que ce soit les mecs un peu méchants en cuir, ou vraiment le mec en toile, ou créer encore des clans, des machins. Moi, je pense à... C'est vrai que ça me fait penser à Fallout, parce que je connais cette série depuis le début. Mmh. Et quand tu vois tout l'univers qu'il y a avec, votre costumière, elle est tranquille. Elle peut se faire plaisir encore un petit moment. Surtout que, c'est Nana qui avait designé sa marque de fringues juste avant. Elle a fait énormément de défilés et tout. Enfin, elle connaît le business. Et elle a le même univers que nous, en fait. C'est elle qui nous a soufflé la plupart des idées d'histoires à raconter. Donc, du coup, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Ah, si un jour, elle me fait un punky en Mad Max... J'achète. Ça peut se faire. Hein. Je vais aller la voir, je pense. Est-ce qu'on a une autre question dans le chat? Il y avait déjà la question des dates qui a été posée. Ah oui, pardon, les dates. Oui, du coup. Est-ce que vous avez des concerts bientôt? Alors oui, on essaye. Et on en a plusieurs qui sont entre énormes parenthèses. Donc en fait, pour ne pas attirer le mauvais œil, en fait, je ne vais pas en parler parce que attend la confirmation. Il y a Coco dans le chat aussi. Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'en fait, les dates sont tellement grosses dans des salles tellement sympas, en fait, que je me dis, j'ai pas envie de nous apporter la poisse en disant si, ça va se faire, et après, grosse déception, les gars, ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu pourras au moins me les dire quand tu les auras validés, que je glisse là lors d'une discussion, histoire qu'en régie, ils soient là, non, c'est pas possible, et bien si, ils l'ont fait. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on essaye de préparer encore, pareil, une tournée pour février-mars, un truc comme ça, on essaye de faire ça. Et alors, c'est super dur actuellement parce que pour le Covid, il y a eu énormément de reports, donc tout est blindé. Mais en fait, on va pas se débiner parce que nous, on est vraiment une musique qui doit se voir. En fait, c'est notre délire d'être en live. On adore ça. On adore partager la joie qu'on éprouve avec le public. Soir. Donc, du coup, voilà, on va se bagarrer. On va le faire. Et c'est pas que Paris. On va bouger en France. C'est cool. Le micro tourné, c'est cool. Moi, j'ai une question pour rebondir dessus. C'est tout ce qui est tournée, organisation, vous le faites vous-même? Ouais. Oui. D'accord. Vraiment de A à Z, vous contactez les tourneurs vous-même, vous préparez les dates vous-même? Tu fais le plein de la camionnette et c'est parti? C'est ça. On contacte les salles, on cherche des groupes sur place ou pour nous accompagner ou sur place et puis roule. Ouais, voilà. Puis toute la com' autour. On se démerde, t'as pas un copain qui habite du côté de Nantes, du côté de machin, pour éviter d'avoir à payer les hôtels, machin. Ah ouais, j'ai de la famille, genre c'est à 100 bornes. Ouais, c'est pas grave, on y va et tout. On amène le champagne, la bouffe. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu leur amènes une bonne bouteille derrière et tout.
Et c'est la démerde. Et je trouve que ce soir, vous avez amené un très bon conseil pour les jeunes groupes qui nous regardent. Pensez micro-tournée. C'est loin d'être con, cette idée. Je suis très fan. Chouki, tu avais une question dans le chat. Dis-moi. Ouais, il y a Projo qui vous demande pourquoi vous avez fait le choix de ne pas reprendre de chanteur ou chanteuse. Ça a été une vraie question, ça. Parce qu'elle ne voulait pas se déguiser. Elle ne voulait pas faire les chorés. Je pense qu'à mon avis, on aura deux réponses différentes. Moi, pour moi, c'est on a trouvé notre style comme ça et on l'aime comme ça. Et on aime de temps en temps faire appel à des chanteurs-chanteuses pour des projets vite fait, en principe, voilà. Mais parce qu'en plus, Joachim, ça semblait tellement évident pour le coup. Enfin... Pardon, mais Joachim, déjà, sans cette chanson, il a la voix qu'il faut. Et moi, je me souviens que quand j'avais écouté ça, j'avais dit à Joachim, putain, il faudrait que tu lances un truc de Dark Country, parce que t'as la voix pour ça. Et il est sorti son deuxième groupe après, je dis plus rien. Ce mec a tout compris à la vie. Il faut vraiment que je l'invite un jour avec ses groupes. Mais ouais, c'était l'idée, en fait. Ouais, mais ouais, si ça te plaît. Mais si ça te convient comme ça, fais-le. Mais c'est pour le coup, moi, c'est pas une signature. Oui, moi j'avais du mal à voir du chant dans la synthwave, il n'y en a pas des masses. C'est vrai. Et puis quand il y en a, c'est souvent du chant un peu chill, assez langoureux. Ce qui ne va pas trop coller avec votre style. Ça colle pas trop avec ce qu'on fait. Mais c'est vrai que notre ingé son nous a dit, mais les gars, genre sur Violent Storm par exemple, qui est passé, vous ne voulez pas. Appeler un gros coreux qui va balancer de l'énorme growl dessus, ouais, c'est tentant. Mais c'est pas le délire, quoi. Non, c'est pas le délire. Après, si ça vous convient comme ça, restez comme ça. En bonus track. Ouais, pourquoi pas. C'est Alec, Joachim, en bonus track. Est-ce que tu l'avais écouté, Clément, celle-là? Ou est-ce que tu t'en souviens? Oui, j'avais écouté, mais on l'avait passé. Ah oui, nous, on l'avait passé sur Fréquence Métal, c'est sûr. On avait déjà invité Joachim, hein. C'est lui qui avait démonté le saladier de pâtes en entier. Oh putain! Parce qu'il n'avait pas bouffé depuis je sais plus combien de 48 heures, un truc du genre. Mais non, il avait fait un truc de barjo, ce malade. Alors attends, Joachim, c'était avec quel groupe? C'était pas Once? Once Upon the End ou un. Non, je sais plus. Ça remonte à loin, c'était saison 1. Ouais, ça remonte. Alors attends, j'ai à peu près l'histoire. Ça remonte à déjà un an et demi. Parce non, c'était saison 1. Putain, merde. C'était à la MJC. Titans, ouais. Les Titans sont silent. Faut savoir, c'est que. Alors, ils nous ont fait deux cadeaux de ouf. Et Joachim est un malade mental. Faut savoir, c'est qu'on les invite. Les mecs sont OK, pas de soucis, on vient, patati patata. Mais à l'époque, on débutait, on avait un peu beaucoup moins de public qu'aujourd'hui. Merci d'être là, les loulous, je vous aime. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué pour nous parce qu'on débutait, on est toujours en train de chercher du matériel, du machin, tout bonsoir. Et donc, les groupes, on en avait à peu près un toutes les trois semaines, des fois deux semaines. C'était vraiment pas calé comme aujourd'hui où je te dis, on est calé jusqu'au mois de janvier, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Et là, ils nous disent, on vient et tout et tout. Et j'apprends que la veille, ils préviennent Joachim qui est à Aix-en-Provence, à l'autre bout de la France. Je fais « Ouais, on fera sans lui ». Et lui m'envoie un message « Non, t'inquiète, je prends un TGV à 6h le matin, je suis là ». Donc il prend un TGV, il se tape l'aller. Et quand il arrive, il m'annonce « C'est pas grave, après je prends la bagnole, je ramène tout le monde et je repars à Aix-en-Provence en vacances ». Déjà, tu fais, mais quel putain de cinglé tu es, mon grand. Enfin, voilà. Et donc, il avait fait tout ce trajet et il n'avait pas bouffé. Et comme d'habitude, on invite les groupes à bouffer. Madame avait fait une putain de salade de pâtes. Et je vois Joachim pendant l'émission qui me dit quelqu'un en veut. On dit, c'est bon, tu sais, on avait le saladier, mais on avait nos petits bols. Il fait, ça vous dérange si je bouffe à même le saladier? Et on le voit poser le saladier et il a dégommé le saladier. Par contre, tu vas me retrouver la chanson Clément, parce que je suis sûr que tu t'en souviens. C'est un groupe qui s'amusait à reprendre une chanson d'un boys band à l'époque, a cappella, avant leur concert. Je me souviens plus quelle chanson. Est-ce que tu l'as, Clément? Bien sûr, oui, c'était... Pas le nom de la chanson, mais c'est... La chanson, oui, c'était... mais c'est eux, c'est les Titans qui faisaient ça. C'est quoi? C'est le groupe... C'était pas les Backstreet Boys. Backstreet, ouais. I Want It That Way. Celle-là. Mm. Et ce qui me faisait rire, donc du coup, on finit l'émission. À l'époque, on devait ranger tout le matériel. C'était à la MJC de Morangis. Et merci à eux parce qu'on les a encore revus cette semaine. Mais sans eux, l'émission n'aurait pas été sauvée. Et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et du coup, je sais qu'ils chantent cette chanson, mais je sais que madame est une grande fan des Backstreet Boys. Mm. Et donc, avant de partir, je demande la surprise au mec. Je leur dis, je sais qu'elle est ultra fan. Est-ce que vous pourriez lui faire un cappella? Et on sort. Il est 2h du mat en plein Morangis. C'est vide. Mais vraiment, c'est vide, hein. C'est le désert, la mort. Ils se mettent à la chanter. Ma femme fond en amour pour eux, en mode « Oh mon Dieu, c'est trop bien !»
Et le truc, le twist qui m'aura fait mourir, c'est qu'à ce moment-là, il y a une nana qui rentrait du boulot, qui est descendue de son bus, qui a retiré ses écouteurs, qui s'arrêtait, qui a fait « Mais what the fuck ?» Et elle est repartie chez elle. C'est-à-dire qu'elle rentrait du bus à 2h du mat, elle s'est arrêtée. Elle a pas posé une pièce. Elle est tombée sur les Backstreet Boys, quoi. Elle a fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et voilà, et je veux dire, Joachim est un fou, les Titans, il faudrait qu'on les revoie pour ça. Mais c'est ce genre de moment épique et de bonheur qu'on a eu avec Fréquence Métal. Et juste en y repensant aujourd'hui, cette dame qui descend du bus, qui a tiré, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh rien, une petite chanson des Backstreet Boys qui appelle, hein, comme ça, voilà, 2h du mat. C'est normal, quoi. Ah, mais voilà, c'est Joachim, une sacrée voix. Et en plus, il le faisait super bien. Il m'a dit qu'il faisait ça à Capella avant de lancer leur morceau qui était bien plus bourrin. Voilà. Ouais. Petite question de notre chat, chérie, vas-y, dis-nous. Oui, on a une question de Alan qui demande de façon très sérieuse si vous aviez déjà pensé à inviter Bernard Minet qui justement fait des reprises métal de ses hits. Il a un groupe métal, Bernard Minet. Oui, mais bien sûr que oui. Bien sûr. Mais oui. Enfin, le groupe Bernard Minet existait avant le groupe et c'est quand il a été invité, je ne sais plus, sur un festival métal que Motoc. Le groupe l'a contacté. Ouais, le Motoc. Que sur une connerie, ça s'est fait, que le groupe métal a invité Bernard Minet en disant « Mais nous, on fait déjà tes reprises. » Il n'y croyait pas. Et je me souviendrai que j'ai lu cette phrase de Bernard Minet dire « Je me suis retrouvé là en mode « Je vais me taper un parpaing. » Et quand il a vu tout le monde pogoter, machin, et faire des sourires, il a dit « En fait, je kiffe le monde du métal. » Bernard Minet, bisous. C'était assez cool. Mais ouais, ouais. Vous êtes donc du coup une reprise, Bernard Minet ? En Synthwave ? Bioman ? Mais ouais. Grave. Mais Bioman, oui. Ça le ferait grave. Ah oui, ou un petit Power Rangers aussi, ça passe. Hein. Power Rangers, c'est un peu c'est un peu trop facile. Quand t'écoutes Power Rangers, t'as déjà tous les ingrédients. T'as les claviers, tu as la guitare, t'as tout. Bioman ou alors, je sais pas. Oh, il en a tellement fait en même temps. C'est pas le choix qui manque. Non, c'est clair. J'avais l'autre là. Rémi sans famille, donc peut-être un peu très dark synthwave quand même, un peu dark. Mais J'avais vu une reprise d'un mec qui avait mis un extrait de Rémi sans famille et il s'était amusé à mettre des claps derrière, genre des mecs qui se marrent et tout à chaque fois. C'était horrible. C'était horrible, quoi. Ton singe est mort. Ouais. Question du chat. Ouais, c'est un commentaire. Non, Gilles, tu vas me dire. Baisse le son. Pardon, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. C'est un commentaire de Lomister, tu vas me dire si tu vois qui c'est, qui dit « Dédicace du portier stoïque des dernières semaines ». Ah, attends, « Dédicace du portier stoïque des dernières semaines » pour Clémouze, Yaya Zinette te fait des gros bisous. Oh putain, « Portier stoïque des dernières semaines » C'est mon daron qui était là, qui m'a amené pendant 3 semaines parce que j'avais pas de voiture et qui du coup était un peu vigile du studio. Oui. Bah, vous voyez les gars là dans le petit sas qu'il y a à la porte d'entrée, il était assis là pendant 3 semaines. Enfin, pendant 3 émissions. Et encore, c'est parce qu'on a insisté, parce qu'à la base, il voulait attendre derrière, dans la cave. Okay. Quoi. Et je vous fais des bisous aussi du coup. Mais, du coup, c'est cool qu'il se soit mis sur Twitch, bienvenue. Oublie pas de liker pour suivre la prochaine émission. Le vieux salaud, tu sais. Mais je crois que c'est déjà fait, hein, parce que ça fait longtemps qu'il y a l'homme. Ah non, mais c'est classe. Moi, c'est un petit truc qui me plaît dans ce projet, c'est qu'on n'est pas cantonné à une génération. On a plusieurs générations, on a plusieurs types de public, parce qu'on a les auditeurs, on a aussi des jeunes groupes qui viennent écouter, des fois avec un compte dédié au groupe, et on a aussi des fois des radios, des télés, des boîtes de prod, des boîtes de promo. Et tu as l'impression d'avoir créé un grand parasol où tout le monde vient se mettre sous l'ombre, pas 30 eux, et après tu as des projets qui se montent, et je trouve ça génial. Enfin, c'est un petit bonheur, ça se fait tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'on les appelle les Rodisders, c'est parce que c'est eux qui montent notre projet petit à petit. D'accord. Et ouais, ils nous aident vachement. C'est pour ça qu'on les bichonne et qu'on les aime vraiment, parce que des fois on tombe sur des surprises en mode ah ouais, ce concert s'est monté. Oh là là. Oh la Dark Synthwave quoi ce soir. Alors avant de lancer le scène à l'envers, j'en ai un qui s'appelle Entre les deux, mon cœur balance. Choix cornélien ou dixième, on va voir cela et vous allez devoir y répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être assez rapide. Vas-y. Alors est-ce que tu préfères avoir un boulot de rêve sans musique ou un boulot normal et jouer de la musique? Un boulot normal et jouer de la musique. Plus un, pareil. Ah ouais, non, je déconne. Moi, la musique, tu me la retires, je me flingue. Est-ce que tu préfères un concert en MJC ou faire la première partie de Christophe Maé? Concert en MJC. Il y a un doute dans ta tête. Il y a un doute dans ta tête. Ah, quand même, Christophe Maé sur de la Synthwave. C'est pas si mal. Non, je déconne. Je serais dingue de toi, mais en mode...
je quitte le groupe. Tu sais, mais il prend le dingue et il le met sur son clavier. Ding, 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 ding. Non, j'avoue, MJC. Ben ouais, mais ouais. MJC, c'est tellement la vie. Tu préfères une répète en garage avec le voisinage qui râle ou en salle avec l'ingé son qui te juge? Ah. Ah. Ouais. En plus, route. True story. Oui, mais clairement. Oui. Toujours. Je dirais garage. Garage, ouais. Ouais. Route. Ouais, ouais. Route. Quitte ouais, à okay. faire chez les voisins. Clairement. Ou ta, ah. ou ta femme qui nous envoie un texto à 2h du mat, les gars, baissez les bas, c'est horrible. C'est arrivé. Hein. D'accord. On était en train de travailler le kick, vraiment, et, ben voilà. et on l'a gonflé. Réponse, désolé Moumoun. on revient. Avant-dernière question, faire un concert vide ou un concert rempli, mais sur un festival techno? Oh, facile, rempli. Concert rempli. Ah oui. Bah oui. Puis en plus, pour vous, la techno. Oui, voilà, on serait pas trop loin. Ouais. Ah, c'est pas trop loin, ça va. Ça a été gentil. Et la dernière, c'est passer 3 heures avec nous ou 30 minutes sur WeFM? 3 heures avec vous. Ah oui, 3 heures. Sérieux? Oui. Vous êtes cons, les gars, il y a plus d'audimat là-bas. On s'en fout, on s'en fout. WeFM, la radio rock qui passe plus du rock du tout? Non. Merci, ça s'appelle fréquence métal. Et j'ai compté l'autre fois dans la voiture parce que j'avais plus de trucs Bluetooth pour mettre ma musique. Du coup, j'étais obligé d'écouter la radio et. Quitte à mettre une radio, autant mettre une radio rock, entre guillemets. Et j'ai compté, et honnêtement, il y a 37 minutes de pub. Par heure, c'est ça? Ouais. Pour le reste, 23 minutes de musique. Quoi. Ouais. Je veux dire que le monde de la radio s'écroule, mais là, ça fait. Approximativement, mal, ça varie en fonction des heures. Et, puis, et ce qui est très drôle, c'est que du jour au lendemain, à 5-10 minutes près, c'est les mêmes musiques qui passent au même moment. Et il y a à peu près 65% de Red Hot Chili Peppers, donc voilà. C'est pas mauvais en soi, mais bon. Oui, mais au bout d'un moment, moi j'avais fait un test comme ça, en allant à l'hosto sur le midi, j'étais tombé sur deux AC/DC et deux Queen en une heure, tu fais ça fait beaucoup quand même. Mais oui. Des fois j'écoute WeFM et je me dis, mais j'ai mis nostalgie ou quoi là? C'est la radio rock. Ils se renouvellent pas, mec, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a monté Fréquence Métal, hein. C'est parce que ces radios nous gavaient tellement qu'on s'est dit, ouais. Non, on ne la veut pas comme ça, non, voilà clair. Ce qu'on voudrait mettre dedans. Chouki, tu me fais signe, dis-moi ce que le chat nous a demandé. Non, c'était moi qui voulais rebondir. Genre pendant 3 mois, tous les jours, à 4h, il passait exactement la même chanson où ça fait « Hey !» Et dans le labo, on ne passait que cette radio. Donc tous les jours, j'avais mon réveil de « Il est 4h !» parce que tout le monde hurlait « Hey !» C'était pas mal. C'est pas la BO de machin de l'espace, Peter Quill. Oui, c'est... Comment il s'appelle ce groupe Redstone, enfin c'est un truc Red. Ouais, voilà, et c'est le Marvel. Quoi, mettez-moi le nom les dans gardiens, le morceau. Les gardiens de la galaxie. Ouais, il a été dans plein de films ce morceau. Ouais, c'est ça. Et c'est Red Bones quelque chose, je crois, le nom du groupe. Et ça fait partie des groupes. D'ailleurs, Gardiens de la galaxie, ouais. Merci. Come and get your love de Red Bone. Il y a des groupes, grâce aux Gardiens de la galaxie, il y a des groupes, des anciens groupes de rock qui avaient été un peu oubliés, genre la Wham. WAM, c'est plus Deadpool, qu'on fait une deuxième carrière après Marvel, en fait. Parfait, les gars, bien joué, c'est ouf. Les gars, j'en profite 2 secondes pour vous demander les 2 prochains morceaux que vous voulez passer. Alors, tu me poses une colle parce que je ne sais plus ce que je t'ai envoyé. On a encore The Dancer dans New Haven City, on a tout le reste de Modern Desert quasiment. Tu sais quoi, je pense que The Dancer c'est bien, c'est et peut-être bien. Qu'on opterait, qu'est-ce que t'en penses si on arrive sur Hunger Shadow derrière? Hunger Shadow, oui, carrément. Qui est plus ou moins sa petite sœur, donc. Oui, très bien. J'ai Lusty Shadow. Alors, c'est Lusty Shadow, ouais, en fait. Oui. La mec, ça s'appelle L'ombre qui a faim. Ça s'appelle L'ombre qui a faim. Il arrive par derrière de sa petite sœur. T'es dégueulasse, mec. T'inquiète. Non, mais non, c'est pas possible. Au niveau, monsieur. On n'est pas sur Benzaï TV, s'il vous plaît. Ah, la petite dédicace. Du coup, tu veux les lancer tout de suite ou je peux poser une ou deux questions? Non, vas-y, questions. Parce que, c'est juste que je prépare le truc. Un artiste comme ça qui a eu une seconde carrière. Grâce à Benzaï? John Travolta. Non. Et c'est une chanson que je t'avais proposé qu'on la reprenne. Ah oui, putain. C'est Rick Astley. Rick Astley qui est devenu un même Internet. Qui est devenu même Internet. Et ça, je meurs d'envie de rickroller les gens en concert. Alors, le plus beau rickroll. Tiens, question con, parce que là, j'ai une anecdote et moi qui me fait mourir de rire. Je vous l'expliquerai après. Le plus beau rickrollage que tu aies jamais vu? Le plus beau, c'est un mec qui te fait passer ça pour un cours de self-défense. Et il te dit, vas-y, tu mets ta main comme ça, tu mets ta main comme ça. Et puis après, tu fais ça.
Et le mec il te passe la vidéo avec le chanteur qui danse comme ça. Pas mal. Il était magnifique. Mais je saurais même pas compétiter avec ça, quoi. Ah bah t'as perdu, moi mon Rickroll il est national, donc oui je t'ai vu Clément. Les gars, on va lancer la pause musicale. Attends. Enfin, on finit. Termine rapidement parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller aux toilettes et c'est des envies pressantes. D'accord. Apparemment. Donc faut une pause. Alors du coup t'es prêt ou pas pour ton Rickroll ou je balance le mien? Vas-y, balance. Alors la radio qui passe sur les quais, la SNCF, elle est nationale. C'est-à-dire que toutes les mêmes chansons passent. Il y a un mec qui s'occupe de la radio de la SNCF qui, un vendredi à 9h30, a lancé Rick Astley. Le mec a rickrollé tous les gens en France qui attendaient un train. Est-ce que ce mec a pas des couilles en acier? J'étais là, j'étais avec mon cas, je retire, j'ai fait « Mec, t'es un génie !» C'était tellement beau. Voilà, c'est le genre de petit troll que tu vis qu'une fois dans ta vie, tu fais « Ce mec a osé le faire et c'est beau. » Et j'ai vu plein de gens sur le quai qui étaient morts de rire. Tu fais « Putain, en plus, il a réussi son coup. » Pendant une fois dans sa vie, le mec était un héros national. C'est très bien. C'est très, vas-y, très bien. Clément, lance ton titre, je balance les clés et Chouki part en courant. Non, c'était pas nous, hein. C'est dans le chat, hein. C'est pas nous. Hein. D'accord, c'est chez eux. Parce que à ta voix, j'avais l'impression que c'est la régie qui voulait partir. Ah non, en non, du tout, du tout. Nous, on est bien, là, on est calés. Et bah du coup, comme j'ai plus de respect pour le chat que pour la régie... Ah bah ok, ça fait plaisir. Tu sais quoi, tu vas l'avoir, ta fin d'émission, elle va être dégueulasse. Surtout si tu... Et je vous casse bien les oreilles. J'avoue. Non mais vas-y, lance cette pause, le chat, c'est le moment d'en profiter pour aller chercher à boire, à manger pour cette dernière partie de soirée. Allez pisser, soyez heureux, on se retrouve tout de suite après. We'll be right back.
Clément, sincèrement, avec tout l'amour que je te dois. On va changer, promis. Ouais, je Et c'était fait exprès que t'aies pas ton micro parce que je voulais lancer directement le. Oh la vache. Parce qu'il nous reste 15 minutes officiellement, 13 minutes. Ouais, on va traîner un peu ce soir. Donc autant faire le truc marrant maintenant avant que tout le monde se barre. Et après, on fait... après, une fois qu'il n'y a plus personne, on fait les trucs chiants. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, on fait du Hanouna, c'est parti. Alors, du coup, la scène à l'envers, qu'est-ce que c'est ? Toutes ces questions sont là pour faire sortir le petit démon qui est en vous. Tu sais, la petite voix un peu sale qui te dit des choses que tu dis là, je ne peux pas faire ça. Mais là, va falloir le faire. Donc, pour ce questionnaire, vous devez répondre le contraire de ce que vous pensez. Très bien. Après, premier, on va commencer par toi. Le chant, c'est important dans un groupe ? Alors plus près de ton micro. Mais il n'y a pas de musique sans chant, bien sûr. J'aurais été sûr. Absolument, absolument. C'est impensable d'avoir un tube sans chant. Non, mais je ne comprends pas. Les gens qui n'utilisent pas de chanteur n'ont rien compris à la musique. Non, c'est ça. C'est tout à fait. C'est tout à j'irais fait. Même au-delà, je ne comprends pas les gens qui n'utilisent pas l'autotune. Il y a une vanne qui était sortie dans une émission. C'était une émission où tu avais un jury. Et la nana du jury dit à un mec, oui, tu sais, la musique, on est beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça demande beaucoup d'efforts pendant plusieurs années. Et il lui fait, ouais c'était, c'était dans X Factor ou ouais, American X-Factor. Got Talent. Et le mec lui fait, oui, oui, je sais, c'est pour ça que moi je travaille et que toi tu utilises un autotune. Rrrr, tu fais, ce mec est pour moi. Ça pique. C'est ça. C'est ça. T'as tellement envie d'avoir 10 potes derrière en mode oh ce mec est un tueur. Pour moi, il a renversé le game. Merci. Alors, autre question. Savoir jouer réellement un instrument, c'est important ? L'inverse. Sors le côté sale. Toi. Ah non, moi je t'ai dit toi en premier non, cette fois-ci. Bon. Ah ouais, ouais, allez, j'y vais. Boulot. Sinon, j'envoie Coco. Bah oui, bien sûr. Enfin, moi je pense que si t'es pas Mozart ou Beethoven, tu ne peux pas. Ne fais pas de musique, ça ne sert à rien. Oh putain. Le grade est un peu haut quand même. Alors non, absolument pas. Non. Tu peux choper une guitare et pas savoir en jouer. De toute façon, ça va marcher. Les gens vont comprendre, il n'y a pas de problème. Oui, ça s'appelle Jimmy à la plage. Je déteste ce Jimmy. Il est surfeur et guitariste amateur pour les deux. C'est la passion qui compte. Ah, c'est moche. Alors, petite question, du coup, on va changer de rôle. Tu réponds quoi à quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas ton son ? Va te faire foutre. T'as bien dit le contraire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, va te faire foutre. Je pense que je dirais la même chose, ouais. Va te faire foutre. Il n'y a même pas un petit geste violent, un taquet dans le crâne, casse-toi Jimmy. Oh, si quand même. C'est l'homismo. Tu sens le mec, il se rappelle des souvenirs, mais il ne peut pas les dire parce qu'il n'y a pas eu de témoin à l'époque. Et qu'il a tellement frappé le mec que le mec a perdu connaissance et ne se souvient pas de lui, surtout. Être musicien, c'est être un peu plus sentimental que la moyenne, non ? Non, parce que pour arriver à cerner les émotions des gens, au contraire, il faut ne pas en avoir et justement être plutôt un observateur, limite un sociologue, en fait, pour pouvoir analyser pourquoi les gens sont si cons pour avoir des émotions comme ça, tu vois. C'est belle. J'aime bien le cynisme. Ah ouais, j'aime bien. Bah oui, mais je pense que les psychopathes, là, ces gens qui ne ressentent aucune émotion, doivent peut-être faire de... C'est eux qui font les meilleurs musiciens. Et voilà, c'est... Alors, susciter... Si Projo, t'es là, t'as un compil psychiatrie à monter. Si Projo, t'es encore là. Petite question. Le truc le plus cool que la musique t'ait apporté ? Oui, le fait que t'es sur scène avec ton par-dessus. La gloire. Elle est simple, mais elle est mortelle. Comme le monsieur. Comme le monsieur, la gloire. Non, tu serais connu, t'aurais Philippe Manœuvre en face de toi. Ça marche. Non, pareil, je peux pas dire autre chose. Là. Non, la reconnaissance de mes pères, bien sûr. C'est moche. Un EP, deux EP, est-ce que c'est pas le moment de la retraite ?
Je pense qu'il n'y a jamais assez d'EP dans la carrière d'un artiste. Je pense que l'album, c'est assez surfait au final quand on y pense. Je pense que plus c'est court, mieux c'est. C'est ce que dit ma femme. Non, pardon, je retire. Enfin, je me retire. Façon de parler. Répète, redis-moi ta question, s'il te plaît. Ça, c'est la régie qui est morte à côté. Un EP, deux EP. Un EP, deux EP, du coup, bientôt la retraite. Oui, bien sûr. Enfin, c'est déjà trop long, en fait. Vous êtes pété de thunes un peu, non, déjà, non, avec ça. Attends, excuse-moi, mais je t'ai demandé de dire le contraire. Parce que là, il me l'a dit avec une tête, mais placide, en mode, prévu, hein, mardi 15h, dernier concert, les pattes de Jouy en Jourdain, c'est ça. Et puis salut, tu vois. On sort le best-of, machin chose, et voilà. Non, deux ans après, tu fais 14 tournées d'adieu. Oui, c'est ça, voilà. Tu l'arrêtes en 2023. C'est ça. Petite question, je sais que vous vous approchez... quand même gentiment du monde du jeu vidéo avec votre musique et du cinéma, mais du coup le plus cool c'est la musique ou c'est quoi l'univers le plus cool, la musique, le cinéma? Cynic inside. Entre les deux mon cœur balance. Tant qu'il y a des cons pour acheter. Ouais, je pense que c'est le cinéma. C'est bien le cinéma. C'est, oui. Ça permet de pas réfléchir le cinéma. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Même les scénaristes, ils réfléchissent plus. Je sais pas, moi, je ressens plus de choses en regardant un bon film. Au moins, tu voyages, quoi. Oh, le dernier Transformers. Un éclair. Il m'a transformé. Ce Bad jeu. Boys 3. Oh, putain, jamais. Non. Bad Boys for Life. Fast and Furious 12. Alors ça, c'est une punition que j'ai imposée à Clément. Je lui dis, mec, à cause de toi... N'empêche qu'on a passé la meilleure soirée, parce qu'on s'est tapé des barres mais monumentales. Tu te rappelles que pendant cette soirée... Ah non, c'est pas cette soirée-là. Cette soirée, on avait commandé un truc fat à manger. Si, si, cette soirée-là aussi. Mais il y a une autre soirée où on a regardé un film éclaté aussi. On avait sorti le barbecue en plein hiver. Enfin, cette soirée n'avait aucun sens, en fait. En fait, le film, il était tellement éclaté au sol qu'on préférait faire cuire les merguez à moins 2 dehors sur un barbecue électrique. Tu sens que les mecs, c'est fini. C'est une gageure. Alors, je vais bien vous trouver une dernière question parce que je suis un peu en roue libre. Du coup, petite question simple. Et, ça vous a fait plaisir de venir sur Fréquence Métal ou il y a quelques trucs à changer? Alors, le truc, c'était pas facile. Parce que, bon, déjà que j'aime pas trop les gens, mais les gens de Fréquence Métal, putain. Il y a un truc en eux qui me déplaît fortement. Après, je dis ça en toute amitié, bien sûr. Et puis, ils t'invitent à manger, ils t'invitent chez eux. T'as déjà vu des gens comme ça? Non, mais c'est insupportable. Non, c'est dégueulasse. Chouki, dis-moi que t'as une question du chat. J'en peux oui, plus. Oui, on avait une question du chat. Alors, The Grog, c'est Alan Gorgan. Qui nous proposait cette question. C'était un peu plus haut, alors dans ma mémoire. Je réfléchis. Ah, parce que moi, avec la dernière, on m'avait tué, j'arrivais plus à respirer. Zébardi, je vais retrouver ça. Je crois que c'était. Ah oui, où est-ce qu'on peut acheter retrouver vos albums et acheter? Mais je sais pas. Non, si, on a répondu. On a répondu à l'écrit à Bandcamp, si je me trompe ça pas. Ça dépend, il faut répondre à l'inverse. Non, sinon, je réponds la Fnac, Virgin, même si ça n'existe plus, on s'en fout. Mais le disquaire de ton quartier. Chez Ikea. J'ai du genou, la boucherie du coin. Non, bah, sur Bandcamp, bien sûr. Pardon, allez, on va y arriver. Sur Bandcamp, bien sûr, ça c'est clair et net. Après, à chaque fois qu'on va se produire en live, il y a un stand merch. Et bientôt, sur le site officiel, on va ouvrir la boutique. Donc ça sera le moment, à mon avis, on va la relier aussi à Facebook. Ça, c'est une affaire de jour, je pense. Tu peux même la relier à Insta maintenant. Ouais, tout à fait. Ce qui est... Mais en tout cas, Bandcamp, pour l'instant, c'est bien. On peut aussi s'arranger en direct avec un envoi. Ça, c'est le commercial qui parle. J'allais dire, c'est le dealer d'en bas. Ce qui veut dire acheter maintenant. Est-ce que contre une barre, ça passe c'est très moche. Si, on a une question de Chan qui fait « Vous avez bien mangé ?» pour l'interrogation. On a hyper bien mangé. Est-ce que tu veux savoir ce qu'on a mangé? Ah, tu sais que Fréquence Métal, on a une grande relation avec la bouffe.
D'accord. C'est généralement, nos auditeurs mangent pendant le live et nous, avant, on mangeait aussi pendant le live. Hein, donc, c'est pas un souci, d'accord. Tu peux y aller. Eh bien, on a mangé un aligo qui déchirait, mais vraiment, il était super bon. Oui. Je vais en manger en rentrant. Parce que tout à l'heure, j'avais pas faim, mais je crois que ça me donne la dalle. Et je pense que, Gilles, je sais pas ce que t'en penses, mais on va essayer, si possible, le plus rapidement possible, quand on aura fait ces petits boîtiers de table, de remettre la bouffe pendant l'émission, parce que c'était assez drôle. J'ai même un autre truc à te proposer. Du coup, je prends le chat pour témoin et je vous pose aussi les questions. Je suis en train de faire le tour des traiteurs autour de chez moi et j'aimerais que... En fait, sur cette table, il y a une grande barre qui traverse au milieu pour cacher un peu tous les fils. Attention, les traiteurs. Attention, parce que vu comment c'est cadré et vu comment t'as fait le signe, ça peut prêter à confusion. Et effectivement, on nous dit pan de fou des musiques et ça porte bien son nom. Les traiteurs de ta région. Tu le goûtes zilu. Au bon lait de nos éleveurs. Oh, putain, les talents. Nos régions. Non, mais hors blague, c'est ce qui a marqué sur les yaourts Danone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment écrit ça. C'est dégueulasse. Mais du coup, on voudrait rajouter un cache-misère autour de cette table pour cacher un peu les fils et à moitié cacher cette boîtier électrique qui nous est quand même super important. Tu veux cacher le snake ? Hein ? Tu veux cacher le snake, vraiment ? Ouais, vraiment tout cacher. Ou alors on va changer le multiprise parce qu'il est quand même utile, mais on va essayer de cacher tout ça. Et sur cette barre, je voudrais petit à petit trouver un traiteur près de chez nous qui puisse nous fournir toutes les semaines des trucs à grappiller, à manger, que ce soit vegan ou non vegan selon les groupes. C'est quelque chose qu'on vous demande s'il y a des habitudes alimentaires. Et on les met au milieu, comme ça tout le monde pourra grappiller. Moi, non, mais de toute façon, moi je bouffe pas pendant les émissions. Trop de stress. Du coup, ça permettra à tous les groupes de grappiller pendant le concert et de renouer un peu avec cette habitude qu'on avait de manger pendant l'émission, parce que le but de l'émission, c'était tes potes ne sont pas venus ce vendredi, tu n'as pas de concert, bouge pas, on amène le concert à toi et viens bouffer avec nous. Et c'est prépare une boisson, prépare à bouffer, de toute façon on bouffe avec toi et on passe notre moment ensemble. Nice. Et je voudrais renouer avec ça parce que c'était quand même super cool. Est-ce que vous avez une autre question dans le chat? Parce que on les entend se marrer. Oh, mais il y a des commentaires, je ne comprends pas. Quelqu'un qui nous dit pas mal l'incrustation. Coucou la France. D'accord, bah écoute. Salut à toi. Coucou. Horizon Opener. Donc. Pas mal l'incrustation. Ouais. Coucou la France. Bah écoute, peut-être qu'il n'est pas du tout du. Lui, il est peut-être très très loin. Et ouais, cette obsession de la bouffe, bah oui, hein, on était des dalleux de ouf. Godzicule. Oh non, mais arrêtez de zilu, ça va revenir souvent, je sens. En même temps, l'émission s'appelle Mets-toi à table. Non, bah oui, elle s'appelle Mets-toi à table. Parce qu'à l'époque, je recevais sur ma table de salon. On n'avait qu'une seule caméra à temps, mais je recevais sur ma table de salon et on bouffait. Et il y a eu des moments mémorables où t'entends le micro-ondes qui sonne, le mec qui coupe sa réponse, qui va chercher sa bouffe, qui revient. Petite dédicace. Alors, à monsieur Thomas. Oh putain, ce mec a un vrai problème. Restine. De bouffe. Monsieur Valentin. Les gars de Joe, ouais. est-ce qu'on ferait pas un tour de table qui nous dirigerait vers une fin d'émission potentielle? Et ben on va faire un tour de table promo. C'est le moment de lâcher vos derniers liens, vos prochains concerts, vos dernières informations, les albums. Là, je n'ai pas envie de vous mettre la pression, mais votre manager vous regarde. Vous loupez pas les mecs. C'est le moment. Allez, perché, à toi. Elle t'a formé 3 semaines pour ça, te loupe pas. Bah, en fait, il va se passer plein de choses là, dans les semaines à venir. Déjà, on est en train de plancher très sérieusement sur un clip. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement encore à quoi ça va ressembler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. Il y a eu quelques idées dans le chat. Il y a eu quelques idées, ouais, et honnêtement, c'est bien tentant. C'est bien tentant. Donc, j'espère que votre manager a noté tout ça. On va le faire bosser un peu. Ah, bah, c'est son boulot. Hein. Allez, coco. C'est son boulot. Non, mais au-delà de ça, sinon, on a une vidéo qui devrait sortir du côté de décembre, qui est une surprise. Donc ça, c'est un petit truc sympathique. Ça va être partagé, ça c'est clair et net. Et surtout, on a de très beaux concerts qui normalement vont arriver. On touche du bois, ça c'est clair et net. C'est du vrai bois, tu peux y aller en plus. Et surtout, on va bricoler cette tournée, quoi. On va bricoler cette tournée et là l'idée, c'est on va jouer jusqu'à ce qu'on roule absolument sur toutes les salles, quoi. C'est l'idée, quoi. On reste dans l'idée du CD que tu trouves chez Bricoflex. Quoi. Exactement. On va bricoler la tournée, bricoler le CD. Ah bah là, de toute façon, c'est la bricole. Hein. C'est la bricole. Et puis surtout composition du nouvel album. Ça, c'est maintenant, c'est dans les bacs, on y travaille. Et voilà quoi. Et bah, c'est cool. Mais tenez-nous au courant de tout ça. C'est vrai que pour l'instant, on diffuse un peu les émissions pour l'émission, petit à petit, les informations pendant l'émission. Mais j'aimerais un jour, si cet œil me le permet,
monter une émission en début de semaine qui donnerait toutes les informations de la scène émergente et les futurs concerts à venir de la semaine. Comme ça, quelqu'un qui regarderait ça le lundi, ça prendrait quoi, 1 heure, 2 heures grand max, pourrait se dire, eh ben, écoute, je vais faire tel concert et puis je suis content parce que tel groupe, ils ont sorti leur clip et tout. Et tout. C'est un projet, j'attends que cet œil veuille refonctionner et puis on verra après. Carrément. Est-ce que Clément, t'es chaud pour lancer un petit titre avant qu'on fasse le tour des adieux, tout simplement? Non, ils sont pas prêts. J'ai un truc qui vient de me faire. Non, non. Bon, on va continuer la promo alors. Non, voilà. En termes de marche, on a de la bonne promo. Ah bah vas-y, fais péter. On a du t-shirt, ça c'est clair et net. À l'effigie de Mila Street of Rage. On a... Vous les avez fait fabriquer où? Pardon? Vous les avez fait fabriquer où? Un pote. D'accord. On t'a dit, c'est la démerde. Hein. Ah, je te dis ça parce que nous, on vient. Il faut qu'on fasse un test, mais on a réussi, je sais pas trop comment, à hameçonner le plus gros fabricant de merch parisien. Il fait le merch pour Massistaria, tu vois. Excellent. Voilà. Il est tombé, il y a un de leurs vendeurs qui est tombé amoureux de l'émission, qui nous a ouvert les portes et qui maintenant, faut qu'on vérifie si le merch vaut vraiment le coup avant de vous foutre dans la merde. Mais techniquement, après, on aura un espèce de passe-droit fréquence métal et on pourra inviter les groupes à passer par chez nous pour aller avoir du merch de qualité Massistaria, quoi. Mortel, mortel. Bah sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du CD, ça c'est sûr. On a du Subok, ça c'est vraiment l'argument extraordinaire. Ça fait péter le Subok parce que là, pour le coup, il est vraiment très très beau. Quoi. Ah, petite info que tu as oublié, Minad Street of Rage sera présenté sur Projo T-Rock lundi. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ouais, bravo Projo, c'est cool. Tout à fait, qui nous a fait une chronique pleine d'amour. Je suis tristesse qu'on n'ait toujours pas pu faire une chronique avec lui. Ou carrément dedans. Mais un jour, Projo, tiens-le toi pour dire, si un jour tu as besoin de nous, tu nous préviens en avance, on prend la fréquence mobile et on vient à Rennes. C'est qu'à 2 heures, on débarque. C'est pas un souci. Depuis le temps qu'on bosse avec. Fréquence mobile qui est réparée depuis aujourd'hui. Ouais, qui ça y est, roule. Si à 2 heures d'ici, tu roules à combien, mec? Non, Rennes, c'est pas loin. À 2 heures de route? Ouais. Ah bon? Ouais, t'as 2 heures pour Rennes et 2 heures pour Saint-Malo. Okay. Voilà mes vacances. Ouais. Tu as eu mes dernières vacances à peu près. 2 heures avec un V12, je veux bien. Non, non, mais j'ai un espèce d'éthanol fabriqué à base de pastis, tu vois, ça marche bien. Et on renvoie la fréquence mobile au garage. Bon, le problème, c'est qu'en cas d'éthylo test, marche pas très bien, quoi, parce qu'il y a des retours de vapeur à l'intérieur. C'est ça. C'est le mec qui met l'éthylo test près au pot d'échappement, il y a des couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais voilà. Du coup, Subok. Subok, ouais. Subok, sticker. Cœur. Sticker, pardon. Sticker, et qu'il faudra que t'en colles un sur le frigo d'ailleurs. Tout à fait. Faire des strings, les gars. Midnight String of Rage. Rien que pour ça, on va on le aime. Faire. Qu'est-ce qu'un string de la rage? Je veux. Qu'est-ce qu'un string de la rage? Les ficelles de la colère. Je veux voir. Est-ce que vous êtes prêts en régie? Ou est-ce que je leur fais coller le sticker? Pour une musique, bah, fais-le le sticker et puis on mettra une musique de fin. Est-ce que si on se met Petit Indien, ça vous va? Ça nous va, ça nous va. C'est drôle, putain, parce qu'en fait, on s'est planté. Il faut le dire. Voilà, quand on fait des merdes, il faut aussi le dire. On s'est planté sur les métadonnées, en fait. Ah ouais, bah du coup, c'est quoi le vrai nom alors? Petit Indien, c'était le nom de Code Entre Nous, en fait. Et on l'aime beaucoup celle-là, mais en fait, le vrai nom, c'est Echoes Canyon. Mais ça, c'est drôle, parce que tu te dis, bon, bah, les mecs vont mettre le CD dans leur platine, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Petit Indien, mais ils se foutent de moi, c'est mec. Naga Wicca, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est Yakari, quoi. T'as un problème avec Yakari, Petit Tonnerre, quoi. Merde. Ah oui, mais... Du coup, je t'en prie, tu peux aller coller où tu veux sur le frigo. On va lancer le morceau. Alors, retire ton casque avant d'y aller, sinon tu vas un peu t'arracher les oreilles. Et après, on se retrouve pour les derniers big up. Et puis voilà, Clément, tu peux balancer le son, c'est parti. Ah, tu veux que je le mette maintenant? Moi, je voulais le mettre pour finaliser l'émission. Ah, vraiment? Genre, au revoir, salut, on va se coucher, quoi. Bon, j'aime bien. Alors, vas-y, va coller ton truc. Du coup, tu vas commencer. Est-ce que tu as un dernier au revoir, big up, remerciement? Ah, moi, j'ai un énorme big up, c'est pour vous, les amis, quoi. C'est pour vous, parce que, non, mais sans déconner, on n'existe pas sans vous. On n'existe pas sans les opportunités... De parler de notre musique, c'est pour nous, c'est en or, quoi. C'est en or. Tu sais que l'inverse est vrai. Sans vous, moi, je me ferais chier 3 heures devant un micro tout seul avec 4 caméras. Je veux dire, oui, mais c'est le remerciement, donc voilà. On ne peut pas vivre les uns sans les autres, c'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'était un club à partout près de chez moi. Non, mais surtout, big up à tous ceux qui nous suivent. Big up à tous ceux qui nous suivent, qui nous découvrent, qui aiment l'énergie et l'univers, ça, c'est cool. Un énorme merci, parce que ça, je ne le dis malheureusement jamais, et je devrais le faire. Grand merci à Elodie et Cyril qui nous soutiennent
depuis le début, qui font un taf extraordinaire de management et de et d'art visuel. Ils sont très grands aides. Ouais. Donc voilà. Parce que vos visuels sont juste énormissimes. Franchement, allez voir leur Facebook, leur Insta, ce que vous voulez. Mais alors tous les visuels que vous avez sortis pour vos clips et vos machins, ils sont juste mais fabuleux. @narcissusnarcisse. C'est juste, t'as envie de dire, c'était cyberpunk avant l'heure, tu vois. C'est vraiment le néon 80 que moi j'adore, qui me parle depuis tout petit. Vraiment le côté Street of Rage que je kiffais à l'époque. Et non, je suis fou. Mais voilà, je le dis parce que je le pense, et c'est comme ça. Et bien sûr, big up à Emily qui fait nos costumes et à tous ceux qui nous soutiennent. Et du coup, il y a nana. Parce que vous avez, il y a Narcissus hein, dans le chat qui nous dit je bosse sur le string dès ce soir. Voilà. Ah. Merci mon vieux. Ça c'est un mec, un gars sûr. Du coup, pour finir cette tournée, moi je vais remercier encore une fois l'équipe Fréquence Ménale qui s'est bien démenée cette semaine pour tenir cette émission, parce que du coup moi, retour d'hospitalisation et là encore des rendez-vous toutes les semaines, c'est vrai que je perds des jours de boulot et ils sont là pour me soutenir, et sans eux bah, l'émission serait pas faite. Je vais remercier encore plein de gens qui nous ont soutenus depuis le début. Sans eux, on n'aurait pas eu ces idées de monter un plateau, on n'aurait pas poussé. Par exemple, je pense à la MJC, Clément, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, oui. Et récemment, qui veut faire un atelier pour les enfants de 6-12 ans pour leur apprendre à se méfier des médias et des fake news. Oh putain. Et ça va, la fin de l'atelier finira ici. Ah ouais, soit ils vont monter une émission qu'on enregistrera pour eux, soit je serai là pour leur présenter comment est un plateau télé et comment ça fonctionne. Je pense qu'on va essayer de les pousser vers l'enregistrement pour, et coup de bol, bah, je bosse pas ce jour là donc ben je ouais, et nickel, et du coup on va leur montrer ce que ça donne et tout et je me dis, les faire passer vraiment à la télé, leur faire faire des fake news et compagnie, qu'ils puissent montrer ça à leurs parents, c'est ouf. Mais j'en profite pour dire un gros merci à la MJC de Morangis. Vous êtes arrivés dans notre vie à un moment donné où on n'avait plus rien, où il fallait qu'on se reconstruise, qu'on rachète tout. Et si vous n'aviez pas été là, je pense qu'on aurait abandonné l'affaire, parce que ça a été ensuite des années de boulot et d'investissement. Mais voilà, ça a payé aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'équipe de Morangis a vu le plateau télé et ils étaient sciés en mode « Mais bordel, vous avez monté ça, vous êtes des fous !» Mais c'est grâce à eux. Et mon plus grand merci ira bien sûr à vous qui êtes derrière les écrans, qui êtes derrière tous les réseaux, qui nous envoyez des petits messages, qui nous motivez chaque jour à pousser le bouchon plus loin. Sans vous, bah, on n'aurait aucune motivation. Et alors, voilà. Bon Gilles, il va falloir écourter ton discours puisqu'on arrive sur la fin de batterie de et ta bah, caméra. C'est fini. Non, voilà, ma dernière phrase, elle sera simple. Si vous n'étiez pas là pour nous écouter, on n'aurait aucune raison de diffuser, et c'est pour ça qu'on vous aime. Voilà, merci à tout le monde. Bon bah les amis, les loulous, les loustiques, est-ce que on bardirait pas sur une fin de soirée, Zébardi? Zébardi, on va se lancer le dernier morceau de ce soir. On va s'écouter Buddy Dendien. Dégueulasse dans nos retours. Ouais, je sais, c'est un peu fort. Bon, oui. Ça va, c'est pour vous péter les oreilles, histoire de bien dormir. Alors c'est pas Petit Indien, j'ai oublié le nom. Ça s'appelle Echoes Canyon. Echoes Canyon, voilà. De toute façon, il n'y aura pas le nom du morceau sur la scène de fin, ah. Vous avez l'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec Tiger Leash. Si je dis pas de bêtises. Ça va être une sacrée surprise, ça aussi. Ouais, ça va être pas mal. Et puis voilà, on se fait des bisous. La rediff sera dispo demain, je pense. Il y a des bidouilles à faire encore une fois, puisque Twitch a coupé en plein milieu. Merci Twitch. Bah, on va gérer. Voilà, voilà. Et puis à la semaine prochaine. Et plein de bisous sur vos cul. Aimez-vous soyeux, aimez-vous joyeux. Exactement. Allez, salut, salut, bonne soirée. Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Oh oui. Sur cette bonne phrase. Fais-moi mal, Johnny. Allez, bonne soirée à tous.